Bonjour à tous, nouvelle partie de Monsterpocalypse et cette fois c'est de l'inédit. On va jouer sur une map 3 joueurs et on va jouer avec le mode chacun pour soi. Je suis en compagnie de Pete. Salut. Bonjour à tous et à toutes. Vous vous en doutez, Pete, qu'est-ce qu'il a choisi comme faction? Alors elle a parlé de s'appeler Cthulhu, mais c'est Cthulhu Groche. C'est quasi pareil, ça a le même goût, la même odeur et ça va bien se passer. Je suis également en compagnie de mon beau-frère Marc. Bonjour à tous. Et Marc, qu'est-ce que tu joues? Alors, je vais jouer Gorgadra, donc les mangeurs de planètes. Les dévoreurs de planètes qui vont avoir tendance à avoir un bonus à la destruction. Et moi, fidèle à moi-même, puisque j'adore cette faction, je joue les protecteurs, enfin, quelqu'un des protecteurs, je joue le garde. Et je joue Defender X, voilà, donc lui essayera de protéger cette pauvre ville. Alors, c'est une grosse ville, hein, puisqu'il va y avoir plus de bâtiments que d'habitude. Mais voilà, donc le mode chacun pour soi, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on va jouer jusqu'au dernier survivant. On est un peu dans un Battle Royale, puisque c'est tiré de l'extension Battle Royale. Le dernier monstre sur la table, puisqu'on joue chacun avec un monstre, mais on pourrait jouer avec deux monstres. Ce serait juste plus long. Le dernier sur la table aura gagné. Voilà. Donc, Bonne chance. Bonne chance à tout le monde. Et j'espère qu'il n'y aura pas d'alliance contre moi. Pas au début, en tout cas. Ça va se négocier. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite présentation de nos armées. Marc, veux-tu commencer avec Gorgadra et... tes destructeurs et tes dévoreurs de planètes. J'ai une unité Destructomite qui va avoir tendance à un peu réduire les forces ennemies et les ennemis proches vont perdre de la défense. Je vais avoir Exterminatrix qui va avoir un bonus pareil qui va réduire la défense des unités qu'elle attaque spécifiquement et qui va avoir un bonus quand elle détruit un immeuble, les unités adjacentes vont subir les éboulements de l'immeuble et si le jet de départ dépassait leur défense, eh bien elles vont être éliminées également avec la destruction de l'immeuble. J'ai une unité Explodohawk qui va être une sorte de kamikaze, hein, voilà, qui va s'autodétruire quand elle va détruire une unité ou un modèle, un bâtiment, et puis elle va provoquer une réaction en chaîne. Si elle touche un ennemi, les forces adjacentes vont être également touchées. Je vais avoir ensuite les Chompers, donc les Chompers de base, les Grunts, et leur commandant, l'unité d'élite, qui vont quand ils attaquent un ennemi, ils vont gagner un Power Dice, un dé de puissance supplémentaire. Alors là, on utilise des termes en anglais, mais je précise évidemment que nous jouons sur un prototype et que la version finale sera intégralement en français. Donc ils vont permettre de... Quand je détruis une unité ennemie avec ces unités-là, quand on détruit une unité ennemie, on gagne un dé de pouvoir, un dé de puissance. Là, je vais en gagner un de plus. Et puis bah, le commandant donne un bonus de boost, un dé de boost supplémentaire aux unités adjacentes qui correspondent. Et enfin, je vais avoir les Scorchers, donc même chose hein, avec les Grunts et leur commandeur. Donc eux qui vont pouvoir rallumer un brasier. Donc si par un effet quelconque on a des débris qui sont non enflammés, je vais pouvoir les rallumer et donc potentiellement faire des dégâts supplémentaires aux unités qui seraient dessus. Voilà. Parfait. Du bon destructeur. J'ai l'impression. Hein, c'est pas dans la finesse, mais ça peut être efficace. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes avec ton Cthugroche et tes... quel est avec ton armée de petits bonhommes verts à tentacules? Alors, je vais pas faire la même erreur que Marc. Je vais pas vous donner tous mes pouvoirs, parce que je pense qu'il faut que j'en garde pour moi. Néanmoins, pour mes unités, le principe de base, elle tire assez peu. Je n'ai qu'une seule unité qui s'est tirée, c'est le Helion qui est ici. Les autres ne font que des dégâts au corps à corps. Par contre, elles savent toutes... sauf une volée. Donc à part les petits esclaves, toutes les autres unités volent, donc vont passer assez facilement par-dessus les obstacles.
pareil, elles n'ont pas des scores de combat très élevés, mais elles ont toutes un pouvoir assez négatif pour l'adversaire. Donc on a par exemple le Squeax, il va retirer des dés de boost à l'adversaire lorsqu'il va attaquer. Le Snatcher va carrément prendre le contrôle des unités ennemies et donc les remplacer par des unités alliées. Et le Helion peut même voler du pouvoir au monstre adverse s'il affronte. Donc voilà encore une fois des unités plutôt corps à corps, très mobiles, pas très puissantes, mais qui ont des petits effets négatifs assez sympathiques. Et juste pour parler de Tougrosh, donc Tougrosh il est sympa parce qu'il peut invoquer autour de lui d'autres unités venues sans doute d'une dimension parallèle. Mais à l'inverse, s'il commence à prendre quelques coups, il peut se régénérer en mangeant, en sacrifiant les unités évidemment alliées autour de lui. Donc il va en faire apparaître des nouvelles, mais il va en faire repartir pour regagner de la vie. Et il est également, il a des dons de télékinésie, donc il va pouvoir déplacer un peu les unités autour de lui, soit des unités alliées pour les mettre à l'abri, soit des unités ennemies, ou au contraire pour les mettre dans des problèmes type le feu. Voilà. Ma foi, c'est un style de jeu totalement différent. On va voir ce que ça va donner. Et moi, c'est toujours l'armée que j'aime bien, que je joue. Donc moi, c'est l'armée des gardes, ou de la garde. Donc, alors, mon personnage Defender X, il est de type mécanique, il a un pouvoir de disruption, c'est-à-dire que les personnages, enfin les monstres ou les unités ennemies qui se situent à deux cases ou moins perdront un dé de bonus, donc un boost dice. Il assure aussi la capacité de sécurisation, c'est-à-dire que lorsque je sécurise des bâtiments, eh ben, je vais gagner un dé de puissance en plus. Un seul, quel que soit le nombre de bâtiments sécurisés. Ça, c'est pour Defender X. Alors, il vole aussi. Hein, il vole. Il saute plutôt. Il a des jump packs. Il a la capacité high mobility. Ensuite, j'ai mes troupes. Alors, dans mes troupes, j'ai mes fameuses exo-armor, qui sont des grands. Des gros robots géants, mais quand même beaucoup plus petits que celui-ci. Alors, ils ont la capacité d'être très résistants. Donc, ils sont plutôt au corps à corps, pas spécialement à distance, même s'ils ont quand même une attaque à distance. Ils sont très difficiles à éliminer, c'est-à-dire qu'ils sont immunisés contre l'attaque des monstres qui s'appelle écrasement, piétinement, le stomp, donc ils ne peuvent pas être piétinés. Et ils sont également immunisés à tous les effets induits de certaines attaques. Donc une attaque directe, ok, mais les effets induits des attaques, ça ne marche pas. Ensuite, j'ai mon MR Tank. Alors le MR Tank, c'est un énorme tank qui est assez spécialisé dans la chasse aux monstres. Et donc quand j'attaque un monstre, je vais pouvoir rajouter 2 dés de boost, donc j'aurai 3 dés de boost, et sachant que lui-même peut lancer jusqu'à 4 dés blancs en attaque. Donc à lui seul, potentiellement, il peut blesser un monstre, et évidemment, s'il est assisté par d'autres unités lors d'une attaque combinée, il a de fortes chances de toucher un monstre, ce qui est rare chez les unités. J'ai ma petite escadrille d'avions, donc avec mes Strike Fighters, donc alors eux, ils sont très très peu résistants, ils n'ont qu'un de défense. En revanche, ils sont très mobiles, ils volent jusqu'à, et ils se déplacent jusqu'à 7 cases. Ils ont des bonnes attaques à distance, pas du tout d'attaque au corps à corps évidemment, et leurs attaques à distance ignorent le couvert. Donc on ne peut pas se protéger derrière un bâtiment, ça ne marche pas. Et enfin, j'ai, pour compléter mon escadron aérien, j'ai mon petit hélicoptère, le Rocket Chopper, qui lui se déplace un petit peu moins vite, il va qu'à 5 de déplacement, mais en revanche, il a une capacité de ciblage qui fait qu'il diminue la défense d'un modèle ennemi jusqu'à 2 cases. Donc voilà pour mes forces. Parlons un petit peu des bâtiments. Dans cette partie, nous sommes tous venus avec 10 bâtiments, hein, on pourrait venir entre 6 et 12 bâtiments chacun. Nous avons pris des bâtiments de la boîte de base qui étaient peints ou colorisés, en tout cas, on va dire. On s'est mis ça comme contrainte. Et il n'y a que 3 types de bâtiments. Sachez que, évidemment, même dans la boîte de base, il y a beaucoup plus de types de bâtiments. Et notamment, si on avait pu jouer avec les bases ou des personnages que vous avez, c'était peut-être un petit peu mieux. Ouais. Donc moi, j'ai ma base, je l'ai. On sait qui reçoit. Au hasard, Léo a sa base spéciale, nous non. J'ai ma base, alors c'est donc la base des gardes. Sa particularité, c'est que déjà elle est assez résistante, elle a quand même une défense de 7. Elle est incombustible, donc déjà, je me prendrai pas, si on me fracasse dessus, je me prendrai pas les dégâts du feu. Donc ça c'est pour vous, hein, vous comme ça. Elle a aussi 2 capacités très très intéressantes. La première, c'est que
quand elle est sécurisée, je peux diminuer le coût d'invocation de mes unités de 1 point, mais une seule fois, puisqu'une action ne peut être faite qu'une seule fois par tour. Deuxième capacité très forte, pareil, une seule fois par tour, je peux faire au coût de... Comme c'est une action, je devrais dépenser un dé d'action, je pourrais faire une relance. Ça, évidemment, c'est très très fort parce qu'il n'y a pas de relance dans ce jeu. Sauf dans des cas comme ça. Donc ça, c'est pour ma garde, ma base de garde. Ensuite, tout le monde, nous avons tous des appartements classiques. Leur avantage, c'est qu'on peut en avoir plus de 4 exemplaires. Ils ont une défense de 5. Voilà, ça, c'est vraiment la base de la base. Quand ils sont détruits, ils sont dans le côté enflammé, évidemment. Et enfin, vous avez des downtown high-rise, on va dire des sortes de gratte-ciel du centre-ville, qui profitent davantage aux monstres non mécaniques qu'aux monstres mécaniques. Et donc, vous êtes non mécanique. Donc, si qu'est-ce qui permet cela ? Si on détruit avec une attaque de mêlée ces bâtiments, on va pouvoir se soigner, parce qu'il est quand même assez difficile de se soigner dans ce jeu. Et donc voilà, Pete et moi, on va pouvoir se soigner en détruisant ces immeubles, mais à la main. En mangeant les habitants, en fait. En mangeant les habitants. C'est ça. Toi, tu en as deux. Toi, tu en as un. Mais il faut savoir que Cthugrosh a également une capacité de régénération quand il mange Petites unités. Ses unités, ses propres unités. Oui, mes unités. Ah oui, sinon ce serait bien, mais non. Les miennes seulement. Voilà. Donc c'est. Et alors, l'autre capacité de ces Downtown High-Rise, c'est que lorsqu'il est sécurisé, toutes vos unités qui se trouvent adjacentes bénéficient d'un dé de bonus supplémentaire. Donc si vous le mettez proche d'un adversaire, vous pouvez vous mettre là autour, le sécuriser, et si vous attaquez avec les unités adjacentes, vous aurez plus un dé de bonus. Voilà, je crois qu'on est prêt à jouer. Nous allons déterminer le premier qui joue. Alors, comme la map n'est pas occupée, je pense qu'on peut le lancer chacun sur notre map. On va lancer 5 dés. Celui qui a le plus de résultats va gagner. Alors, je précise que cette partie sera jouée sans rollback et sans script. Donc, on joue vraiment dans les conditions de jeu normales. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, Léo, tu commences. C'est moi qui vais commencer. Bon, nous sommes placés, donc on a chacun nos zones de couleur. Moi, je serai dans les zones de 2. Alors oui, c'est vrai que c'est une map 3 joueurs, il y a des petites différences. Donc déjà, vous voyez, il y a 3 zones de spawn différents. Hein, il y a les rouges, les violets, les bleus, les violets et les rouges. Voilà, donc ça veut dire qu'on va déployer nos unités là. Et notre monstre ne peut se déployer que dans les... Il y en a combien ? Il y a 5 positions possibles, en fait. Il faut que l'intégralité de son socle soit dans la zone colorisée. D'accord. Il y a 12 cases. Il y a 12 cases colorisées, et c'est là que nos monstres vont commencer. Donc c'est très différent de la map classique, où on se déploie sur un côté complet, là, de 2 cases. Là, on n'a que 12 cases de déploiement, et notre monstre doit être intégralement dans cette zone-là. Alors, vous voyez aussi une petite différence avec les précédentes maps qu'on a pu avoir. Là, vous voyez l'intégration des petits symboles qui disent si la case est infranchissable ou si elle est en terrain difficile. Donc, je pense que c'est assez visible. C'est très visible. Qu'est-ce qu'il y a comme autre différence ? Les zones de power sont un petit peu placées différemment. Alors, il y en a certains qui en ont plus dans leur zone, mais en fait, chaque zone, elles sont un peu asymétriques, les zones, mais elles ont toutes leur intérêt. Il y a plus de zones de zones négatives. Là, j'en compte 3. Et alors, les zones négatives, quand on les occupe, lors de sa phase de montée en puissance, on fait perdre un point de puissance à chacun des adversaires. C'est ça. Voilà les différences. C'est moi qui commence. Donc, je vais d'abord commencer par placer sur les zones vertes. Oui, ensuite, on placera sur les zones jaunes. Et ensuite, en dernier, on placera sur nos zones de la couleur de notre camp. Bon, bah, je vais placer sur une zone verte. Je vais commencer. Je vais placer un bâtiment. Je vais placer ici. Toi, Marc. Et après, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, je vais en passer un deuxième sur une verte. Ah, il place déjà son Downtown High Rise. J'en ai déjà mis un. Ah, il en a mis deux. Oh là là, il les a placés tout de suite. Ensuite, c'est à moi. C'est vrai qu'on peut aussi placer chez l'adversaire pour l'empêcher de mettre son bâtiment spécial. C'est à toi, Marc. Voilà.
Reste-t-il du verre quelque part? Oui, là. Alors tiens, peux-tu y mettre ce bâtiment? Merci. Donc c'est à moi, et maintenant on entame les zones jaunes. Plus du tout de vert. Notamment les zones jaunes... Eh bien, tiens. Et maintenant, on va placer les deux dernières. Donc dans nos zones bleues, alors moi je vais la mettre... Alors ta zone bleue. Ma zone bleue, oui, pardon. Moi dans ma zone violette. Nous n'allons pas pouvoir occuper nos trois cases. Voici. Il va en rester une. Puis c'est à moi, j'ai ma base, donc je pourrais la mettre là. J'ai pas trop envie de la mettre là. Je préfère la mettre ici. T'es sûr? Oui. Réfléchis bien. Voici. Nous avons terminé. C'est parfait. Alors, le... Defender. Maintenant, je vais devoir me déployer. Pas trop près de Gordiadra. Alors dans cette partie, nous avons, contrairement aux parties coop, où dans les parties coop on n'a que 6 dés blancs, là nous avons nos 10 dés blancs comme d'habitude, et ils commencent tous dans la zone d'unité, dans la réserve d'unité, dans la réserve blanche. C'est bon, Léo. D'unité. Tu t'es placé, tout le monde est placé. Nous sommes tous placés. Donc c'est à moi de commencer. Ouais. Donc premier tour, et on commence... Comme dans une partie en 1 contre 1, on commence par la phase d'unité, donc je vais faire apparaître mes unités. Eh bien, je vais faire apparaître une exo-armure ici, voilà. Une deuxième ici, non, ici. Tu devrais t'arrêter là, je pense que c'est mieux de garder des dés. Et je fais des attaques, c'est ça, et puis après je déplace tout dans ma zone de lance. Ça serait pas mal. On veut pas te forcer, mais ce serait une bonne idée. Je vais faire apparaître mon hélicoptère ici. Je vais faire apparaître mon avion d'élite. Non, un avion normal, pas l'avion d'élite. Ici. Je vais faire apparaître mon exo-armure d'élite. De dés... Tu pousses. Ouais, je vais pousser. Mmh. Je vais dépenser 3 dés et je vais la mettre ici. Mmh. Je vais faire apparaître Ton tank, mets ton tank quelque part. Je vais faire apparaître mon tank, mais... J'aurais dû faire apparaître mon gros MR tank avant, mais c'est pas grave. Je vais faire apparaître des avions à la place. On a dit qu'on jouait en direct, hein. Sans rollback. Sans rollback, donc pas de rollback. Je vais faire apparaître un avion ici, normal. Un avion standard. Un avion standard. Là, t'as plus de zone de déploiement. J'ai plus de zone de déploiement non occupée, donc le dernier avion va pousser un autre. Non, je vais faire plutôt ici. Je vais faire apparaître ici. Donc, je vais pousser mon hélicoptère, donc je vais dépenser 2 dés de plus, et je vais faire apparaître mon dernier avion ici. Donc mon hélicoptère, je vais le pousser sur une case adjacente, je vais le pousser ici. Et je fais apparaître le dernier avion ici. Ok. Voilà, c'est terminé pour moi, c'est à toi Marc. Alors, Oui. Tu n'actives pas. Ah. Tu actives. Excuse-moi. Avant de donner à Marc. Enfin, sauf si tu veux qu'il ne bouge pas tout le tour. Qui peut non, nous arriver. Je veux aller trop vite. Ça me paraît bien. Après. On l'a dit pour l'écraser et qu'après on réglait nos comptes. Vous voyez, hein. Après la phase d'apparition, il y a la phase d'avancée. D'activation. Et donc là, je vais faire avancer toutes mes unités. Donc, lui va faire... C'est le truc rigolo. Il va faire 1, 2, 3, 4 et une diagonale, 5. Il va sur la zone négative. Faut pas exagérer non plus, là, Léo. C'est chez moi par ici. Va plutôt vers là-bas. Oh, je vais y aller aussi, regarde. Ah bon. Il va nous faire perdre des dés de pouvoir qu'on n'a pas. Non, parce que ce sera sa phase d'activation, donc si entre-temps t'as cassé quelque chose... Ah, peut-être, ouais. Lui, il va aller là. Il peut aller là, ouais, t'es sûr. Oui, il peut aller là. Il vole, c'est ça, un avion. Non, je sais pas. Lui, est-ce qu'il peut faire 1, 2, 3... Non, ça. 1, 2, 3, 5, 6, 7... Attends, c'est chez moi, là. Tu te calmes. T'as dit que t'allais un peu là-bas, tu commences ou... Ouais. Bon, lui, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ensuite, voyons un petit peu là. Lui, il va faire 1, lui, il va faire 1, 2. Là, j'en ai 2, il m'en manque un. Hein. On a 2 sur ta tour des gardiens, là, ta Guard Defense Guard.
Donc en fait, il me faudrait un troisième si j'en ai un là. T'as ton avion pas loin sinon. J'ai mon avion qui peut peut-être y aller. Donc elle, lui, va avancer un peu ici. Mon avion, je vais le mettre. Si je mets là, est-ce que. Ouais, ouais. Tu contrôles les deux. Je contrôle les deux. Donc je vais le faire aller là. L'avion, elle est là. Et là, je contrôle. Donc tu contrôles deux bâtiments, deux points de pouvoir et un point négatif. Voilà, c'est ça. Donc ensuite, il y aurait la phase d'attaque. Je n'ai plus de dés, donc il n'y a pas de phase d'attaque. Et enfin, il y aurait la phase de transfert des dés, s'il me restait des dés dans ma zone d'unité. Mais ce n'est pas le cas. Donc cette fois-ci, c'est vraiment la fin de mon tour. Et c'est à toi, Marc. C'est à moi, Marc. Alors, on va déployer déjà un premier scorcheur ici. Ça sera sûrement traduit écorche. Un second ici. Et je vais déployer une unité d'élite. En ici. Poussant. En poussant. C'est ça que j'ai cramé 3. 3D. Je pousse sur une case adjacente comme ceci. Est-ce que tu vas faire des attaques ? Est-ce que tu vas déployer un maximum d'unités ? Je vais déployer un maximum d'unités. Je vais déployer un autre scorcher ici. Il me reste 4 dés. Je vais déployer ce gentil bonhomme ici. Et ici. Et il te reste 2 dés. Il me reste 2 dés. J'ai plus de points libres, donc ça va être une unité à. Unité d'élite à coup 1, non, puisque je vais devoir pousser, donc je ne peux pas déployer une unité d'élite. Je vais déployer ici. Voilà, pour mon déploiement. Et ton activation. Mon activation, donc je vais déplacer 1, 2, 3, 4. Donc j'ai un point négatif moi aussi. Ensuite, 1, 2, 3. Ici, sauf erreur de ma part. 1, 2, 3. Comme ceci. 1, 2, 3. Comme ceci. Donc je contrôle ce bâtiment, ce bâtiment, ce bâtiment. Ensuite, celui-ci va venir là. Et celui-ci. Et celui-ci vont se déplacer. Va rester comme ça pour l'instant. Voilà. C'est bon? Donc tu contrôles une zone négative et combien de zones de puissance? Une zone de puissance et 4 bâtiments. Et aussi une zone négative? Ouais. Oh. Tu contrôles 4 bâtiments? Ouais. Celui-là, celui-là, celui-là. Et t'avais pas de problème avec les terrains difficiles? Non, parce qu'ils volent. Alors, de toute façon. Alors, ceux-là volent, donc il n'y a pas de problème. Et là, il n'y a pas de terrain difficile ni inaccessible. Bah, dis donc. Donc tu gagnerais combien de points de puissance si ça restait comme ça? Donc un par bâtiment, donc 4 plus 1, 5. Mais bon, comme tu vas nous en faire perdre. C'est pas. Alors, puis-je déployer? À ton tour. Je vais dépenser un point pour amener ce petit monsieur ici. Ça a plutôt l'air d'être une fille, non? Je vérifierai plus tard. 2 points, une unité d'élite, et je pousse. Je peux pousser adjacent ou je peux pousser même déjà en diagonale ici? Même en diagonale. Diagonale, c'est adjacent. Ah oui, donc c'est... Les 8 cases autour sont adjacentes. Très bien. J'ai déjà dépensé 4 dés, ce qui est quand même beaucoup. 1. Pour 2 unités. Nous allons mettre... Ça s'appelle comment ceux-là, les squeaks? C'est des squeaks. Ce sont des squeaks. Un autre point. Cette fois... Un snatcher ici. Et il me reste 4D. 4D, c'est pas mal. Je vais garder ces 4D, car j'en ai besoin pour mon plan. D'accord. Je vais donc maintenant activer mes unités. Je vais commencer par ce Squeaks. 1, 2, 3, 4, 5. Les Squeaks bougent à 6, donc ce n'est pas un problème. Le snatcher va se rendre ici à côté. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc je pourrais attaquer l'hélicoptère, nous sommes d'accord. Tu es au corps à corps? Je suis adjacent au corps à corps. Oui, oui, oui. Voilà, et je vais maintenant faire des attaques. Car il faut attaquer. Mm-hmm. Alors comment tu répartis tes attaques? Est-ce que tu as des attaques combinées, des attaques Non, ce seront 2 attaques individuelles. Ah oui, j'avais le droit à un dé de plus, tant pis, c'est pas grave. Donc j'ai un dé qui va être non utilisé, c'est pas grave.
Alors, on va d'abord faire une attaque pour 2 dés blancs. Du Snatcher sur l'hélicoptère. Pas de boost donc. Si, 2 bleus. D'accord, 4 dés. Alors sur l'hélicoptère, il a 2 de défense. C'est ça. Allez. C'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. Et ton hélicoptère est remplacé par, grâce au pouvoir du Snatcher, par cet authentique. Ou d'ailleurs, même par ce petit esclave de chair. Voilà. C'est-à-dire que si lui il est détruit. Je remets une autre unité à la place de mon choix. Oh là, pour qu'il reste encore un peu de plus. Pas la même. Ça peut pas être un autre esclave, mais ce sera une autre. Et maintenant, l'attaque de notre ami le Squix. Par contre, il peut mettre que un dé, le Squix. Donc, t'attaques quoi? J'attaque le tir. Donc son range, c'est... Il a 3 de range. Okay. Alors, j'ai que ces deux petits dés là, mais alors, ça c'est utilisé. Ça c'est utilisé. Voilà. On tente parce que ça a que 1 en défense, on est d'accord. 1 en défense. C'est bon. Une touche, on dit au revoir à l'avion. Alors, en fait, comme mon avion est adjacent à un bâtiment, il a une couverture. De couverture, donc il fallait faire 2 pour m'avoir. Donc, et donc mon attaque a raté. Mon avion est résistant quand même. Non, tu pouvais pas mettre 2 dés blancs. Non, il n'a justement, il n'a droit, c'est là où j'ai fait une erreur, il n'a droit qu'à un seul dé blanc. Sinon. Ah si, c'est du blast, tant pis. Ah, bah non, mais t'avais pas de dé bleu. Non, mais j'avais le droit de mettre un deuxième blanc. Oui, je serais revenu au même. Et ce dé là va me servir à rien, je le push et j'ai fini mon tour, Léo. Bon, un premier tour, ça a été. J'avais failli dire que Toulouse. Mais non, mais j'ai voulu jouer offensif tour 1 pour voir ce que ça donnait. Mmh. Bon, tu m'as quand même éliminé mon hélicoptère. Et puis tu bénéficies maintenant de. D'un bâtiment. D'un bâtiment de la... et du bénéfice de la carte de la case négative. Ouais, de la zone négative. Ouais. Alors là, c'est un tour de monstre et qu'est-ce que je vais faire? Je vais tenter. Alors là, il y a une zone négative. Si je te le détruis. Ah ouais, si je te le détruis et qu'il y a toujours la place, tu peux le remplacer. Dès que tu le détruis, je le remplace. Et à condition qu'il y ait la place. Comment ça qu'il y ait la place? Non. When this model is destroyed, il faut que l'espace ne soit pas occupé. Donc si lui, il vient en se mettant dessus, je ne le remplace pas. Ah oui, tu veux l'écrabouiller. Par contre, commence par ta phase de power-up, Léo. Ouais. Je vais faire déjà ma phase de power-up, effectivement. Alors, je contrôle. Et j'ai gagné un des rouges, en fait. Tu contrôles. Oui, tu gagnes un des rouges parce que tu m'as détruit de l'hélicoptère. Je contrôle. Deux bâtiments. Je contrôle 2 zones de puissance. 1, 2, ça me fait 4. Et ma capacité de sauvegarde, ça fait que j'ai 5 dés rouges. Et maintenant, je vais faire ma phase de déplacement. Qu'est-ce que je peux faire? Là, tu as aussi de la zone négative. Hein. Ouais. Ils sont vraiment collés, tous ces deux-là. Mais là, ils contrôlent plein de bâtiments juste avec cette série-là. Ouais, ça, je peux pas laisser ça comme ça. Là. Ça va pas. C'est vrai que c'est tentant. Il faut reconnaître que c'était tentant. Tu peux venir jusque là? Je pense, hein. Lui, on va te dire, j'ai un réacteur dans le dos, je saute très loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je veux aller jusque là, il me faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais dépenser 6 dés. Mais tu lui pètes sa combo pour toi. Tu peux pas vraiment. Alors, faut que tu fasses le stepping. Je fais le stepping avant de faire le déplacement. Sachant que t'as lui qui est là, donc tu peux pas faire du stepping au début, tu vas l'écraser. Oui, mais. Ah! Tu peux pas séparer ton mouvement en deux, donc non, tu peux pas en fait. C'est vrai, ça marchera pas. Cet avion est mal placé. Parce que ce que je voulais faire, c'était le prendre, l'attraper et le casser sur un bâtiment. Un ou sur une autre unité. Un petit SWAT, ouais. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est venir ici, casser le bâtiment et détruire les mecs qui sont derrière, et ensuite reculer. Il faut que tu casses la combo, sinon il prend 4 points de pouvoir à chaque tour, c'est pas possible. Oui. Casser la combo. Comment tu peux casser la combo? Alors attends, et je pourrais aussi venir ici. C'est une belle option. Et casser. Mais y a pas de... Oui, mais là c'est pas 4 points de pouvoir, c'est 1 point de pouvoir. Non, mais t'as un truc négatif. Un point de pouvoir. Non, t'as 2 points de pouvoir. Toi c'est 4 et un truc négatif. Oh. Arrête, Marc. C'est beaucoup plus rentable chez toi. Ah, ce que je pourrais faire, c'est me mettre ici, l'attraper et le lancer sur. Alors tu peux lancer à 5 cases. 5 cases. Mais pourquoi m'embêter moi qui ne contrôle aucun bâtiment? Alors qu'il en contrôle 4. Choisis bien tes cibles, Léo. Je ne contrôle aucun bâtiment, même pas un. Le problème, c'est que moi, il peut pas venir, en fait. Mais si, il peut casser le bâtiment devant. Et les gravats derrière te détruisent ce qu'il y a derrière. Mais comment il arrive jusqu'à moi? Je peux venir ici et te tirer dessus, hein. Mon tir, il a combien, quelle portée? 3. Donc, faut que tu viennes jusque là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je fais 1, 2, 3, 4, 5... 6. Et ensuite, j'ai besoin de me déplacer de 1,
2, 3. Je dépense 3 dés, je peux te casser un bâtiment, et ensuite je peux reculer pour... Pour mettre à l'abri. Pour me mettre à un endroit où je ne me fais pas immédiatement fracasser sur 3 bâtiments en même temps. Donc, je reviens peut-être par là. Ce qui est peut-être pas mal, parce que je me rapproche plus de toi, toi tu es quand même assez loin, je casse un peu son truc... Je pouvais faire ça aussi, mais là, non, mais je pense que c'est en fait, si je viens ici, non, si je viens ici, je suis au milieu, je suis vraiment entre vous deux. Ben oui. On est dans un truc, je vais vous me prendre tous les deux, alors que là, je ne me prendrai que toi. Moi, je suis fait et amour, je ne vais rien casser, rien détruire. Donc, je vais faire ça. Donc, je vais faire. C'est mal ce que tu fais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord, donc j'ai fait mon saut là. Maintenant, je vais faire du stepping. Je vais faire 1, 2. Est-ce que je suis à portée là? Non, hein. Je vais faire 3. Dépense 3D du coup. Voilà, 3D pour le stepping. Voilà. Donc 3D blanc. Et maintenant je vais faire une petite attaque. Alors sur lequel? Sur lequel? Entre lequel et lequel? Non, mais c'est pas possible. Derrière, tu vois quoi? Il n'y aura pas des débris. Non, c'est juste un cassin. Bah, ça c'est son bâtiment spécial. Oui. Alors il est plus difficile à casser aussi. Il est plus difficile à casser, mais il lui rendra de la vie éventuellement si tu le fais pas. Oui, c'est pas. Merci Pete. Et puis il en a deux, donc c'est pas une vraie perte. Après, certains dans mon cas, je comprendrai la perte et la douleur, mais deux, ça lui laisse 50% de possibilité. Ça va être une attaque. Alors, est-ce que c'est une power attack? Non, il n'y a pas de power attack là-dessus. Hein. Ça va être une attaque à distance, hein, du blast. Quoi. Ce que tu aurais pu faire aussi, c'est une power attack. Alors, je suis en train de me couper la peau au pied, mais bon. Tu aurais pu faire une power attack de. Le RAM, non? C'est pas le RAM? Ouais. Le RAM où tu pousses l'immeuble, mais ça veut dire qu'il faut que tu viennes au contact. Voilà. Faut que tu rajoutes en plus de dés, et là par contre tu pètes aussi ce qu'il y a derrière. Mais je suis... Ouais. Ouais, c'est vrai. Et puis comme ça derrière... Après je peux reculer. Ou alors aussi je peux faire un... Oh, si je fais un Rampage... Non mais t'as déjà bougé. Rampage, ouais, non, il faut que tu bouges... C'est ça, il faut que tu sois base to base. Il faut que j'avance de 2 cases de plus pour non, faire... Non, plus que ça, 3. Non, parce que tu peux faire une diagonale, être... c'est vrai. Il faut que tu avances de 2 cases de plus. Mais je te tuerais un truc de plus. Donc ça me consommerait 2 dés de plus. Je suis un idiot. T'es sympa quand même, tu lui donnes des idées. Mais après, si je veux reculer et me mettre, il m'en faudra encore beaucoup. Non, je vais être prudent. Je ne vais faire qu'un blast parce que... Si je suis là, ça me fait 2 dés de plus pour revenir. Il m'en faudrait 2 pour revenir rien qu'à cette position. Et encore au moins 2. C'est trop cher. Ça me fait reculer. Et si je suis là... Dommage. Si je suis là... T'arrives que c'est loin, c'est ça. Je suis au milieu des bâtiments. C'est bien tenté, Marc. C'est bien tenté. Non, je fais un blast. Je fais un blast et je fais un blast là-dessus. Donc, je vais faire une attaque à distance sur ton gros bâtiment. Donc, je vais lancer entre 1 et 7 dés. Donc, minimum 1 dé. J'ai mes 4 dés bleus. Je peux rajouter aussi du rouge si je veux. Donc le bâtiment va me rajouter 2, c'est ça? Le bâtiment va te rajouter 2. Je gagnerai 2 avec le rouge. Oh, remarque, attends, on va voir. Hein. Il a combien ce bâtiment? Il a 7 quand même. Non, 6. 6. On va aller le chercher quand même. C'est dommage de rater un hit qui manque. L'avion tout à l'heure, je m'en remets pas. Hein. c'est dommage, et puis bon. Alors attends, 32, là ça peut faire à peu près 3. 3, 4, 5. 2. 7. Ouais. Ça me fait à peu près 7. Ouais. Et il est à 6. Ouais. Va suffire quand même. Allez. Alors. Bon. C'est tout le truc dans ce jeu, il faut vraiment bien doser les dés qu'on lance. Et un dé, c'est ça peut faire la différence. Mais le dé, c'est la ressource. Rater est très pénalisant. Rater un geste, c'est très pénalisant. Donc. C'est du gaspillage. Alors soit on assure et on jette plein de dés, mais du coup on a moins d'options. Soit on essaye d'être fin, mais on prend un risque. Mais on prend un risque. Et ben 4, 6. 4, 6, c'est tout juste. Tout juste, pile poil. Bon, donc il est détruit. Donc je vais récupérer tout de suite 2 dés rouges que je mets dans mon power, et les dés bleus retournent dans ma réserve, et les dés blancs vont dans Unit. Voilà, j'ai cassé ce bâtiment. C'est mal ce que t'as fait. Et je vais faire un petit petite retraite, voilà, stratégique. Hein. Donc je vais faire un comme ça, 2. Ouais, je suis pas trop mal là. Il peut pas me faire un body slam puisque il a pas la place. Si il peut venir ici, me body slammer ici. 2.
Ça recule beaucoup. Non mais c'est... t'as raison, je pense qu'il faut que tu sois prudent. La position précédente était pas inintéressante parce que... Il va se faire trop de mal. Et pour un body slam ici quand même. Je peux pas te body slammer. Ah bah non, parce qu'il y a lui, tu pourras pas. Si, non, tu peux me body slammer là. Ouais. Éventuellement. Bon. J'ai fait 4. J'ai fait 4 de déplacement. Donc il me reste quand même un petit dé de blanc de monstre. Et je me suis repositionné stratégiquement. Voilà. Fin du tour ? C'est la fin du tour. C'est à toi, Marc. Phase de puissance. Montée en... C'est un monstre ou pas la taille ? Ouais, ouais. C'est monstre. Forcément une phase de monde. Donc power up. Donc 1, 2, 3, 4. Vous perdez tous un dé de pouvoir. Tu en perds un également. Ah bon ? Non, ça sera à ton tour. Ah oui, à mon tour, c'est vrai. Donc lui, il s'en va. Donc j'ai dit 1, 2, 3, 4. Dé de pouvoir. De puissance, pardon. Et je contrôle pas de zone de puissance autre, de mémoire, non, c'est ça, c'est, ça devait être 5. Et un accident. Je serai 4. Voilà. Un peu moins de puissance, ouais. C'est mieux. Et du coup, la question, c'est est-ce que je fais ce que j'avais prévu au départ ou est-ce que je vais le chercher, là, pour me venger ? Je pense que l'action, ça paye. J'ai commencé dès le début, j'ai montré l'exemple. Pour l'instant, lui, il est attaqué, il s'est rien pris, hein. Mais j'ai pas encore bougé. Laisse-moi le temps de bouger, au moins, derrière mon bâtiment. Non, je vais rester sur ce que j'avais prévu au départ. Donc, je vais faire du step-in. 1, 2, 3. Je vais faire un petit rodéo. Tu t'es où ? Tu t'es là ? J'étais là. Ouais, ok. Et je vais faire un petit rodéo. Oh ! Un petit rampage ? Un petit rampage, ouais. Ah oui, c'est vrai que là, ça peut te donner beaucoup de pouvoir. Oh là là, il va faire le plein de pouvoir en détruisant les bâtiments. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, et tu termines... Ah ouais, tu ne prendras même pas de dégâts, là. Ok, tu vas pas en prendre. Non. C'est bien calculé. C'est le but, c'était le but. Donc, on a... Il va faire une power attack, il va faire une charge furieuse. Ouais. Donc, pour l'instant, ça, c'est le set de base. Donc, 4 dés rouges, 4 dés bleus et 1 dés blanc. Et il faut que... Les bâtiments que je vais traverser, ils ont 5. Ça devrait aller. Je pense qu'on va se contenter de ça. Je prends pas de vrai risque. Est-ce que je prends. Est-ce que je peux peut-être garder. Est-ce que je vais en faire 3. Ouais, je peux en garder en réserve. Et c'est bon. C'est réussi. C'est réussi, donc. Et j'arrive ici. Tu arrives ici. Et donc, hop, hop. Et donc, 4D. Et donc 4... 6D, parce que lui... Ah oui, il est destructeur, c'est vrai. Ouais, j'ai une compétence qui me donne un dé supplémentaire quand je détruis un building. Donc celui-ci par là. Ceux-là, on les récupère. Et donc 6D de puissance supplémentaire. Tac, tac. Ok. Et alors, un petit repli stratégique également. Il va jouer avant moi. Il te reste un dé, donc tu peux quand même faire une phase de monstre derrière. Là, le problème, c'est que je peux me faire jeter là. Déjà, tu prendras plus les bâtiments, tu les as déjà pétés. Oui, mais bon. Là, je peux me faire jeter ici. Je suis quand même exposé avec cette histoire. Non, tu es central. Ah ouais, c'est ça le problème. Il m'en reste 6. Alors, j'essaye. Hein. Si je fais 1, 2, 3, 4. On va faire ça. Hop. 4D. C'est un petit peu reculé. À toi, Pip. C'est bon ? Ouais. Alors, phase de power-up. Donc moi, c'est rapide. Tous un dé de puissance. Oui, vous perdez un dé de puissance. Oh ! J'en ai déjà perdu 2. Ouais, par contre, sauf que moi, je ramasse pas de puissance. Alors là, tu ne contrôles pas. Non, j'ai deux pouvoirs. Ici et ici. Non, et celui-là aussi, quand même. Hein. Ah, 3, pardon. Je suis encore trop gentil, moi. Faut que j'apprenne à me taire. Donc, j'ai 3 dés de pouvoir. Alors, Cthulhu Grosh, qu'est-ce que tu vas faire ? Va quand même falloir aller lui expliquer la vie à un moment donné. Bah, je vais avancer. Attends, par où je peux passer ? Parce que là, c'est bloqué. Et toi, tu voles, hein, l'oublie pas. Hein. Oui, j'ai high mobility. Oui. C'est vrai que j'ai high mobility. Tu peux passer au-dessus des bâtiments. Hein. Je peux passer au-dessus des bâtiments. Et j'ai le droit de bouger de 6 de mémoire. Si je dis 1, 2, 3, 4. Tu viens faire là. J'ai une idée, mais. Non, en fait, mon idée pue. Donc, on va oublier mon idée. D'accord. Si tu te mets là et tu casses ce bâtiment, il se prendra un dégât aussi. Non, il n'est pas collé, il y a si. Non, regarde, c'est dans les 4 cases derrière. Les 4 cases.
Les 4 cases qui sont derrière le bâtiment se prennent un de dégâts. Tu lui feras un de dégâts. Intéressant. Un de dégâts. Et tu gagnerais 2 de pouvoir. Non, j'ai mieux à faire. Ouais, je pense aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Oula. T'as déjà fait une diago? J'ai fait une seule diago, ouais. J'ai fait une diago. Est-ce que je me demande avec moins que ça? Pas vraiment. Il tire, notre ami. Un range de 3, c'est pas assez. Tu veux aller tirer sur un. Ouais, j'aurais bien tiré sur un petit avion, mais c'est pas trop possible. Bah, faut faire du step-in, quoi. Ouais, faut faire du step-in. Donc, je vais aller jusqu'à 6. Tu pourras pas te rapprocher. 1, 2, non, mais si je suis 3. Là, ouais, faut 3, que tu fasses 1 step-in. Bon, je fais un step-in. Je vais mettre ici. Tu dépenses le dé. Un dé de step-in. Je vais utiliser un dé pour faire un summon et invoquer une créature. C'est un petit Squix. C'est... Oui, mais non, mais c'est la version. C'est pas un nom, c'est un Elion. Elion, pardon. C'est un Elion. C'est... Mais c'est le coup est de 2. Le coup est de 2, mais non, c'est pas grave, c'est j'invoque. Ça, c'est soit l'avantage. Lui, quand il invoque, ça lui coûte que un dé. Même si le coup est. Voilà. Il peut invoquer des trucs plus puissants sans passer par la phase de. D'unité, puis pour moins cher. Pour moins cher. Et on va donc faire une petite attaque, un petit blast sur notre ami le petit avion là. Donc c'est au moins un des blancs. 4 des bleus. Non, 3 des bleus. 3 des bleus. 3 des bleus ? C'est pas énorme, on est d'accord. Ah oui, mais c'est ton monstre. Oui, il a oui. Et il faut mettre. Bon, on peut mettre. De toute façon, il a que 1 en défense son avion. Oui, il a que 1 de défense. Attends, non, j'ai 2 non, il est encore à cause de bâtiment. Je le ferai pas avoir 2 fois. On m'a déjà fait le coup. J'ai déjà vu le film. Donc voilà, je rajoute un petit des blancs. Ok. Et c'est suffisant. Je vais donc prendre un petit dé de power. Pourquoi vous vous acharnez sur moi, là? Il me reste 6 dés. Quel numéro? Je m'arrête là. Et je garde 6 dés. Attends, récupère tes dés. Voilà. Ok. Bon. C'est à toi, Léo. C'est à moi. Alors là, j'ai le choix de faire une activation de monstre. De 1. Avec 1. C'est pas vrai. En termes de step-in, en tout cas. Fais voir si je pourrais faire quoi. Si je pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux faire une attaque. Un rayon de la mort dans la tête. Non, mais moi je trouve que c'est une bonne idée. De venir te mettre à côté. Oui, il faut que tu viennes te mettre là. Moi, je pense que. Il y a du potentiel. Non, mais là j'ai qu'un dé, je peux même pas reculer, donc ça ne vaut pas le coup. Donc je vais faire une phase. Toi tu as quoi? Tu vas faire une phase. Ah de... oui, toi tu. Tu vas faire une phase. Ah, t'as une phase de monstre. Tu as 2 éventuellement. Bon, je vais faire une phase d'unité. Je vais faire une phase d'unité et je vais aller un petit peu. Alors, tu peux me dire combien il a de défense celui-ci? 2. Il a 2 mmh. Mais là, il est à couvert. Hein. Donc, il a 3. Bah, sur un tir. Sur un tir. Sur là, un tir sur... Mais là, il ne peut pas venir au contact, il est trop loin. Et lui, en fait, si je veux l'avoir, oui. Il faut que je le tue une première fois et je tue une deuxième fois le deuxième. Oui. C'est ça. Il ouais, faut bien commencer, du coup. Et donc, c'est raison de plus pour commencer plus tôt. Ou plus tard. Après, ah mais non, tu es obligé. Est-ce que tu peux faire... Il a combien de défenses? Tu rapproches ces deux-là, là. Ouais. Je... Tu tues avec une première attaque, et puis tu tues avec une deuxième attaque. Ouais. Que tu peux éventuellement combiner avec l'avion qui traîne. Ou... Alors, les enfin, eux, ils sont bons au corps à corps. Ils peuvent faire de la distance, ils sont bons au corps à corps. Mais en effet, je peux faire ça. Vu que c'est une phase d'unité, bon, c'est une phase d'unité. Oui. Là, c'est clair. Alors déjà, d'abord, est-ce que tu déploies des... Oui, des j'ai unités déployé des unités. Avant de commencer... Donc, lui... Des nouveaux amis. Tu dis qu'il a, il a 3 de protection avec sa... sa... Contre sur une tir. Attaque à distance, ouais. Sur une attaque à distance. Bon, donc je vais faire venir mon avion d'élite. Faire aller là. Le célèbre avion d'élite. Mmh. Ensuite, eux iront certainement s'occuper de ça, en espérant que j'arrive avec mes deux. Je vais faire... Donc, il faudra que je garde des dés d'attaque. Donc là, mon avion d'élite peut lancer jusqu'à 2 dés, donc cela je vais les garder. Ensuite, si je fais ma première attaque au corps à corps avec mon exo-armor, je peux mettre 2 dés. Ma deuxième attaque, 2 dés. Ou 1 seul dé. Ah oui, tu le remplaceras par l'unité. Par quelle unité? Celle que tu celle veux. Celle que je veux, sauf celle-là. J'ai pas le droit de remettre. Et ils ont combien de défense? Ils ont. Mais moi j'ai toujours 2. Toutes mes unités. Ah non, sauf lui. Le Elion a que 1. D'accord. Je vais faire spawner 2 autres unités. Faire spawner. Je vais faire spawner un hélico. Ici. Je vais faire spawner une. Ok, je pense que ça devrait aller. Alors attends, si je veux pouvoir contrôler plusieurs bâtiments derrière.
Maintenant, je vais faire mon déplacement. Alors là, déjà, ce que je sais, c'est que lui, il va faire... C'est 6, hein. 7. 7, les ailes 2, 3, 4, 5. Je peux tirer à 3 cases. Hein, je... Là, il va se déplacer là. Ensuite, mon hélico peut s'avancer pour diminuer ta défense. De quoi ma larve... C'est à 2 cases, hein, ça fonctionne. Donc là, normalement, je pourrais pas me poser si je volais pas. Hein, oui. Ça marcherait pas. Là, je peux parce que je vole. Lui, il est sur une zone de pouvoir, je vais le laisser. Ensuite, il faut que je réfléchisse aussi. Il faut que je l'attaque deux fois. Mon hélico, ça doit pouvoir marcher. Donc je vais faire 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il va lui 5. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Hein? C'est du bon. Et Bob, tu fais quoi ici? Et là, je contrôle combien de bâtiments là? Là, t'en contrôles 2. Je vais pas le laisser lui sur une zone de pop. Parce que... Si. Je contrôle celui-là, je contrôle celui-là. Voilà, c'est bon. Donc, attaque. On va faire les attaques. Aïe. Alors, il faut... Voyons, combien je dois garder 2 dés. Mon hélico peut lancer à distance jusqu'à 2 dés. Et mon exo-armor d'élite peut lancer jusqu'à 2 dés. 2 dés, alors... Et ou pas le gars d'élite. Ah ouais. Faut faire le beau tir sur Mars. C'était, ouais, ouais. C'était pas une bonne idée de venir chez moi. Je peux lancer 1 ou 2 dés. Mais je vais garder 2 dés là-bas. Donc il faut que je répartisse 3 dés ici et ça 2 va, dés là-bas. Ça va pas marcher tes 3 dés ici. Il vaut mieux mettre un seul dé chez Pete et les 4 chez Mars. Je vais mettre 2 dés là. Donc je commence par celui-ci. Donc il a 2 dés et deux j'ai 2 dés bleus. Et tu n'as pas de cover, parce que mes tirs indirects annulent la cover. C'est pour ça aussi. Ah oui, l'indirect, ça annule les covers. Indirect fire, this attack ignores cover. Il bombarde, en fait. Je l'ai dit au début de la partie. Donc 2. Donc 2. Tu peux mettre un aide-moi, du coup. Ah. Et t'as combien... Ouais, il a quand même 2 en... Non. Faut assurer. Non, je vais assurer, parce que là, c'est la zone négative, c'est vraiment l'horreur. Ah, c'est depuis tout à l'heure. Voilà. J'ai raison d'assurer. Pile ce qu'il fallait. Voilà. Et tu gagnes un dé rouge. Et je gagne un dé rouge. C'est pas juste. Un dé 2. Donc ça, ça va dans monstre. Ça va. Ça, pour l'instant, ça se passe bien. Maintenant, qui dans quel ordre mythe Oui. Alors, ton mythe a moins 1 de défense, donc il est à combien? Pourquoi il a moins 1 Parce que lui est à 2 cases. Mais si tu tires, il a comme son cover. Donc il a un plus 1 avec le cover. Oui, avec les... Si je tire, il a plus 1 avec le cover, moins 1, ça fait 0. Plus 1, moins 1, 0. Donc il est à combien? Moi, il a toujours 2 de défense, il n'a pas bougé. Donc je pourrais faire un tir avec un dé et un dé bleu. Un dé. Ou alors je pourrais faire 2 dés avec l'hélico et un dé bleu. Il faut faire 2 et ensuite je ferai un dé blanc et un dé bleu. Et un dé... Ah, c'est pas le... Non, 2 dés bleus, 2 dés bleus, 2 dés bleus, c'est l'élite. Ah oui. Alors là, quelle est la meilleure combinaison? Si j'attaque par corps au corps à corps, il n'a pas de... Il n'a pas de cover. Il n'aura pas de cover. Non. Donc je pourrais mettre un dé blanc et 2 dés bleus, et me garder 2 dés blancs pour la deuxième attaque. Par exemple. 2 dés blancs et un dé bleu. Faut mieux assurer la première. Il faut que la première passe. Bah oui. Tu penses? Ouais. Bah oui. Pour Marc, c'est pareil. Si tu rates la première, est-ce que tu fais la seconde? Je fais peut-être la seconde sur autre chose, tu vois. Parce que là, par exemple, il n'y a rien. Sur le monstre? Sur le monstre. Non, pas sur le monstre. Ah là là, donc j'ai 3 dés. Alors, t'aurais dû en mettre qu'un. Non, bah non, sinon il détruisait pas ton truc. Donc si je fais celui-ci d'abord. Donc c'est qui? L'élite. C'est ok. Je vais. Parce que là, t'as moins 1. T'as pas de cover, non. Et t'as moins 1. Donc ouais, t'as tu as 1, faut que tu fasses 1 shoot. Un. Ah, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Le premier truc, lui, il attaque au corps à corps celui-là. Très bien. Donc ça me fait, je mets un dé, plus 2 dés bleus, et je dois faire 1. Voilà, ça va. Là-dessus, on prend pas des risques... C'est bon. J'en fais pire. Pour l'instant, c'est vraiment... Donc, on voit que donc, les choix sont importants. Mon mid-slave est détruit. Et qu'est-ce que tu veux faire? Et remplacé à la place, ben, car je suis malin. Je vais le remplacer par un Squeak d'élite. Parce qu'il donne moins boost, un boost die aux unités ennemies à 2 cases.
Oh. Voilà. Voilà. Il a combien de défenses? Deux. Ils ont tous deux. Oh. Deux, c'est deux. Oh. Voilà. C'est pas possible. Donc, moins un des bleus. Je vais avoir moins un des bleus, donc je vais mettre deux des blancs. Et j'ai mon cover, bien sûr. Parce que tu vas tirer. Il faut que tu fasses 3 avec 2 dés blancs. Ça va être chaud. C'est possible. Je peux faire 4. C'est très 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 improbable. Tu peux pas mettre. Ah bah non, tu perds ton dé bleu, t'en avais qu'un. Ouais, donc. Alors il a un de défense en moins. Hein. Oui, il est à un de. Non, il est à. Non, il est. Pourquoi il aura un de défense en moins? Parce qu'il a le. Oui, mais il a un plus 1 de voilà, cover. Il faut que tu fasses 2. Il faut que tu fasses 2. J'en reviens à mon. Faut que tu fasses. Il a disparu. Ah. Il a enlevé tous les négatifs du plateau. Bon, donc c'est à moi. Oui. C'est absolument pas ce que belle je fais. Belle phase d'unité. C'est là. Moche. J'ai bien joué, Léo. Bon. Bien joué. Tu as pris le dé rouge pour l'unité que tu viens de détruire. Prends-le. Et celle d'avant aussi. This model is destroyed. Donc moi j'aurais tendance à dire que t'en prends un pour avoir détruit le mid-slave aussi. Ouais. Enfin, je pense. C'est pas mal. Je vais me venger. Hein. Je tiens à préciser. J'ai prévu de me venger. Une solution, c'est de venir là, ouais. De prendre celui-là pour le balancer sur celui-là. Ça vous enlève un point de pouvoir chacun. Mm-hmm. Le problème, c'est que je suis exposé pendant 2 tours derrière. Surtout que moi, je te le dis, je vais faire une phase de monstre. Ouais, je me doute bien. Je suis exposé pendant 2 tours. Donc bon, évidemment, si tu veux embêter Léo, je te laisse tranquille. Après, c'est normal. Mais derrière, moi, j'aurai pas beaucoup de power et tu seras dans ma zone. Hein. Ouais. Donc je vais faire une phase d'unité, ouais. Ah, cette gestion des dés, c'est... Ouais. C'est crucial faire à chaque fois. Phase d'unité, je vais déplacer. Je vais spawner. Okay. Ensuite, je vais spawner un petit ici. Ils ont combien de défense, ces petits tes mecs là? Ils ont 3 de défense. Oh, c'est gros ça. Plus, évidemment, ils peuvent avoir du cover s'ils sont près d'un bâtiment. Je vais en enlever 2. Donc je vais mettre un chomper ici. Voilà pour le déploiement. Maintenant, les déplacements. Mm-hmm. Il va retourner sur la zone négative. Oh non. Il a repris la zone négative. Oui, il a repris la zone négative. Ah oui. Ça, c'est la plaie, la zone négative. Mm, je crois aussi. Je suis obligé de rester. Ici. Je contrôle à nouveau ces deux bâtiments. Il y a 5. C'est ça, hein. Ouais. C'est compliqué. Bon, déjà lui, il va aller là. Ça, c'est sûr. Là, je contrôle ces deux-là. C'est tout. Est-ce que je peux faire mieux? Je contrôle toujours pas de bâtiment. Tu contrôles pas de bâtiment? Depuis le début, j'ai pas compris le concept, les bâtiments, tout ça. Donc, tu as toujours des. Tu en as toujours sur des zones de puissance? De puissance, oui, j'en ai deux. Ouais. J'en ai un ici et un ici. Ça te fera 2 dés à ta montée en puissance. Bah non. C'est pas mais bon, après, quand tu casses des bâtiments. Enfin, alors, celui-là, je vais le mettre là. Monstre, tu gagnes. Celui-là, je vais le mettre là. Et puis, bah là, on va rester. Non, celui-là, on va le déplacer. 1, 2, 3, 4. Non, je vais le mettre là. Éventuellement, aller spawner des unités là-bas. Et là, je peux pas faire mieux que ça, je vais avancer celui-là, ici. Et puis, voilà. Je vais faire une attaque sur une attaque à distance. Sur cet avion. Sur cet avion. Qui a donc plus un de cover. Squat. Donc il devient très très résistant. Il a doublé son score. Alors, c'est une attaque à distance, c'est mon unité d'élite, hein, donc elle lance 2 dés bleus. Ouais. Pour assurer, je vais mettre un dé blanc. Je peux mettre jusqu'à 2 dés blancs. Donc voilà. Voilà. On va déjà faire ça. Ça peut se rater, hein. Ça peut se rater. Je sais que tu mets pas un petit dé de plus. 2. 2. Mais rien du tout. C'était chaud. C'était chaud, mais c'est bon. Mais ça marche. C'est bon. Voilà, donc, tu gagnes 1 point de puissance. 1 dé de puissance. 1 dé de puissance. Voilà. Ensuite, d'autres attaques. J'ai une autre attaque. Mon Explode Hawk, il va aller détruire l'immeuble qui est là. Tu vas te faire sauter dans le bâtiment. Bah, on voit, d'accord. On voit comment. Voilà. Donc, l'Explode Hawk, c'est de 1 à 6 dés.
Tu sais qu'il y a des, gens là-dedans. Juste. Bah, c'est pas gagné parce que je lance, je suis juste. Hein. Ouais. Il a 5 de défense le bâtiment et je vais lancer 5 dés. Donc en moyenne, je suis en dessous. Tu peux pas mettre plus ? Ben non. T'as mis tout ce que tu pouvais. J'ai mis tout ce que je pouvais. Je peux mettre de 1 à 6 dés blancs. J'en ai marre 3. C'est, donc c'est, pas 3. Gagné. Et non. C'est loin d'être gagné. Et c'est perdu. C'est voilà. 2 touches. 2 touches, donc c'est rapide. Et lui, il explose quand même ? Non. Non. C'est si elle touche. Ah oui. Hein, avec une attaque, après l'attaque. Ouais, ça, c'est quand même donc c'est raté, mais c'est pas très grave. T'auras tout aidé dans la phase de monstre. Sa prochaine phase, ce sera une phase de monstre. Pour moi, ce sera une phase de monstre pour toi aussi. Alors, Pete, lui, il a encore le choix. Qu'est-ce que tu choisis ? Je vais faire une phase de monstre, donc je fais une phase de power-up. Donc 2, j'ai 2 points là, enfin, non, là et là. 2 zones de puissance, pouvoir. Donc tu gagnes 2 dés de puissance. Et 3, comme ah, tout à l'heure. J'ai encore oublié. Tu en gagnes 3. Ah, bah, 3, ça va. 3, ça commence à être très mal. Ça commence à faire. Tout d'abord, on va faire ce que vous adorez. Pour 1 point, je vais invoquer sur ce point négatif une larve de chair, car. Non, on peut pas invoquer sur une zone négative. Si, puisqu'il. J'invoque sur. Ah non, avec... c'est que tout groche. Oh, tout groche, il invoque. Il invoque tout groche. Non, t'as vu, il a une galère pour l'avoir. Tout groche, il invoque. Tout groche, c'est ton ami. Oh non. En plus, c'est ceux-là, là, il faut les détruire 2 fois. Là. Les. Non, mais c'était un bel effort, Léo. Sur le coup d'avant, on a apprécié. C'est vrai. Ensuite, ton travail. Les sacs à viande, là, c'est ça. Hein, c'est... Donc, je vais me déplacer. 1, 2, 3, 4. Je vole, je peux bien me mettre ici. Oui. Et je vais attraper l'hélicoptère ou. J'aimerais attraper. Ah non. Non, tu as des goûts particuliers. Attraper l'hélicoptère, c'est quand même spécial. Mais. Lui, il faut... Ça peut le faire. Hein. Non, je pense qu'il faut prendre. Non, l'hélico, il n'est pas si dérangeant que ça. Je pense que le problème, c'est. Ah, il met moins 1 hein, quand même, l'hélico. Il met moins 1. C'est vrai qu'il met moins 1 en défense. Il a une règle de 2. On va attraper cet hélicoptère. Et tu peux le balancer sur l'autre, hein, tant qu'à faire. Si l'autre te dérange. Et je peux le balancer. Bah, c'est le petit bonhomme éventuellement qui me dérange là derrière. C'est lui que j'ai pas envie de laisser. Bah, tu peux balancer. Donc nous allons essayer d'attraper ton hélicoptère pour le jeter sur le bonhomme au sol. Ou alors, du coup, on va te retourner. Si oui, c'est ça. Je vais dire, sinon je peux faire un stomp, mais non, parce que ton bonhomme est immunisé au stomp. Tu pourrais faire un stomp. Parce que lui est immunisé au stomp. Mais je suis immunisé au stomp. Donc, nous y allons. C'est 4 cases. Non, c'est toutes les cases adjacentes, toutes les unités se font... Donc nous faisons un SWAT. Et les immeubles. Donc le SWAT. Les immeubles ne sont pas... Ah non, c'est les... Non, c'est les ruines, ça retournerait les tuiles en flammes. Et donc il a, on est d'accord, il a 2 en défense, ton hélicoptère, c'est mon ça ? Mon hélicoptère a 2 en défense, oui. Donc plus 1, mais là ce n'est pas une, c'est pas une attaque de place. Non, non, c'est attaque, du jeu t'attrape. Je n'ai que 2 de défense. Très bien. Sachant que derrière... Et tu vas devoir relancer les mêmes dés que tu as lancés la première fois. Pour le... passer... C'est ça, pour passer le, voilà. Le petit garde. Qui a 3 de défense, lui. Est-ce que j'ai besoin de step ? Ouais, je step très bien après. Je pense que Léo, il va venir se caser par là, je dirais. Ouais, toi aussi, hein, tu vois bien arriver par là. Ou alors, je peux aller aussi voir Marc, hein. T'as vachement... Là, tu peux l'exploser ici, tu peux l'exploser ici, tu peux lui faire plein de choses. Donc... Tu peux aussi le lancer là. Oh non, je le lancerai pas sur le tour. Non, il n'y a pas moyen, non. Donc on a quoi là en aurait ? On a dit qu'il faut faire au moins 3 succès si je voulais avoir après derrière ton petit bonhomme. Allez, on va assurer un peu le coup. Voilà. C'est 2 succès. Non mais 3 contre lui. Avec le quand je vais relancer. Donc voilà Léo. Alors d'abord tu lances une première fois pour attraper et détruire mon hélico. 1, 2, 3, 4, ça fonctionne. 4, ouais. Donc je vais prendre un petit dé rouge. Ouais. Et donc tu le jettes sur. Sur. Donc tu lances 2 fois. Sur l'exo-armor, tu relances. Oui, tu relances les dégâts. 2 fois sur celui-ci, tu lances 2 fois, d'accord. Plein. Oh oui, là c'est bon. Voilà, il n'y a plus le petit bonhomme. Comme ça, j'ai confiance que ma petite larve va tenir encore un moment avant que. Donc il te reste. Alors, tu lances 2 fois les mêmes dés blancs, hein, c'est ça hein. Tu relances les mêmes dés. Donc ça va tomber. C'est la seule attaque de puissance où tu dois lancer 2 fois les dés. Et avec mon dernier dé... Tu as récupéré un point de puissance. Oui, 2 fois. Il a bien fait. Voilà. Et donc avec ça... Tu vas faire un test. Juste ici. Pour l'empêcher de venir. Non, il pourrait venir là, s'il veut. C'est vrai. Et c'est plus compliqué. Mais il peut, s'il a envie, si ça le motive. Alors, ton attaque, ton power-up. Puisque tu fais une phase. Forcément une phase. Mon power-up, donc... 1, 2, 3... Ouais. Et c'est tout.
4 parce que je sécurise les bâtiments. Oui. Donc je gagne 4 dés, donc je suis à 10. Je suis au maximum de ta puissance. De ma puissance. Ouais, t'as tout ce qu'il faut. Alors, est-ce que je viens voir Gorgatra? Gorgatra. Je pense que j'ai donné toi. Hein? Chacun son tour. Non, mais le chemin est libre vers chez toi. Moi, c'est plus compliqué de venir quand même. Oui, mais le chemin est libre, mais après, il n'a pas de retour possible. Je suis à fond de balle, moi aussi, derrière. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Faut pas oublier. C'est vrai. Ça, c'est que là, c'est pas facile d'y aller parce que. Non. Si j'essaie de faire le possible pour que ce soit chiant. 3, 4, 5, 6. Tu peux pas te poser. Non, logiquement, je l'ai bien calculé. Il faut qu'il fasse du stepping jusque-là et après. Ah oui, 1, 2, 3. Ouais, 4, 5, 6, il y en manque un, il faut faire le stepping jusque là. Ouais. En passant par là, là ça peut marcher. C'est cher. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de stepping. Tu perds déjà 6 et blanc. 6 de stepping et ensuite je fais 1, 2. Faire une diagonale. 1, 2. Alors tu voles, hein, donc là t'es tranquille. 5, 6. Il peut pas s'arrêter sur un truc. 5 peut-être, non? Non, je trouve que t'es obligé de faire. Alors si tu viens jusque là, non, t'es obligé de faire 6. Alors t'arrives là, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, t'es ici. Ouais. Ensuite, 1, 1, 2, 3, diagonale, 4, 5, 6, t'es obligé si tu veux venir te mettre là. Ça. Donc il faut que tu viennes jusque là, ouais, et après tu fais un déplacement. Et là tu vas pouvoir lui faire un bel attaque de mais puissance. Mais par contre derrière tu repars pas. Alors c'est que pour si ça qu'il faut que tu le jettes. Tu vas gratuitement jusqu'ici, tu repars où tu veux après l'avoir jeté dans un niveau. Appui, parce qu'il a que 6 déplacements, donc il va venir jusque là. C'est après, moins cher. Qu'il fasse... Ah, c'est moins cher. Même en fait, j'ai pas envie de me mettre par là-bas. T'as parce que si je me mets par là-bas, derrière lui, il va m'attaquer. Non, bah et toi, derrière, tu peux aussi m'attaquer. C'est vrai. Alors que si je viens ici, bah lui, il va peut-être, si je te place à un endroit, il va peut-être plutôt t'attaquer toi. Donc je vais plutôt faire ça. Peut-être pas. Mais c'est vrai que je vais faire ça. Donc je vais faire le stepping. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Tu prends tes dés blancs. Je prends 6 dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ensuite, je vais faire mon déplacement normal. Mon déplacement normal. Donc là, je vais pouvoir voler. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, tu viens dedans. Alors là, les bras vont peut-être gêner un peu. Non, 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 c'est bon. Là, je pense que je vais prendre cher, par contre. Alors après, il peut pas vraiment... il peut me balancer là-dedans. Il peut te balancer là-dedans. Oh, oula. Il peut faire un... Tu peux lui faire un body slam. Faire un body slam c'est là. Est-ce que tu peux le jeter à un endroit? Ah, je pourrais le jeter jusque là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça je pourrais le lancer là. 7, mais non, 7 c'est pas 7 dés blancs. Si, c'est les dés rouges. C'est les dés rouges pour la portée. C'est les dés rouges, donc je pourrais l'envoyer là, mais ça ferait quoi? 1, 2, 3. Si là, je te prends là, aussi. Ou là, ça fait 3. Hein. Ouais. Tu pètes un bâtiment spécial. Et je pète un bâtiment spécial. Et donc, ça me donne de la puissance. Peut-être un peu plus intéressant. Bon, après, si je t'envoie par là-bas, je me dis peut-être que toi, tu vas l'attaquer. Mais bon. On peut faire le petit jeu dont on avait parlé une fois. Non, on peut pas faire le petit jeu dont on a parlé une fois. Le badminton, je trouve ça sympa. Rappelle-toi, t'as proposé ça une fois et ça s'était pas bien passé c'est ensuite. Vrai. C'est vrai. Non, je vais faire un body slam ici. Très bien. Je vais faire un body slam ici. Tentez, en tout cas. Donc c'est une attaque de power. Mais en attaque de power, je suis obligé de mettre un dé blanc, minimum un dé rouge. Je gagne automatiquement 4 dés bleus. Mm-hmm. Voilà. Et toi, tu as une défense de 8. Donc là, je vais quand même assurer. Il faut mettre des petits dés quand même. Ouais. J'ai pas envie d'en mettre vraiment plus que nécessaire. 1, 2, 3, 4. T'es sécure là quand même. C'est pas certain, hein. C'est pas certain, ça peut rater. Hein. Ça m'arrangeait. C'est encore mon avis. Ça, c'est un sacré bad beat, hein, si tu veux. Si ça marche pas bien. Ah ouais, non, là, c'est la catastrophe. Ça marche pas. Oh, tain, c'est bon, un dé de moins déjà. Un plus. Tiens. La nervosité. Bon, allez. C'est raté. Oh, non, je pense que c'est bon là. Tellement bon. 4, 5, allez, on oublie. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh là 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 là. Trop cher. Beaucoup trop cher. Alors, attends. Hop. Voici. Et donc, 3 points de dégâts. 3 points de dégâts. 1, 2, 3. J'ai pris 3 points. J'aime pas du tout. 3 points. Moi, ça je. Voilà, tout ça, ça va là. Les bleus reviennent tu là. Je reprends un rouge. Je reprends un rouge. Non, 2. Oui, 2, c'est un bâtiment. C'est 2 rouges. 2 rouges. Voilà. J'ai pas aimé. T'as pas aimé? Non, c'est alors maintenant, mon avis, j'ai pas aimé. Je peux faire encore du stepping. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Si tu pouvais te positionner de manière à ce que je te balance dans ton bâtiment guard, ça m'arrangerait assez.
Tu steppes un peu sur le bord. Là, en fait, tu peux me lancer, tu peux aller là, mais je ne serai pas là. Tu peux pas me fracasser sur deux bâtiments non. en même temps. Non. Sur un seul, là. Je peux te fracasser que sur... Là aussi, un seul. Je suis pas si mal, en fait, ici. Hein. Je trouve que je suis pas si mal. Il y a lui qui empêche qu'on vienne derrière. Il y a juste là, je pourrais peut-être venir. Tu vois, ouais. Tu posais la question de la télékinésie. Ouais. Tu vois, là, moi, je peux pas venir là, je suis bloqué. À cause de l'avion. Ouais. Ouais. Télékinésie, bam. Ah, ouais, c'est vrai. Ouais. Je reste comme ça. Ok, et tu gardes 3D. Et je garde 3D de monstre. C'est ta marque. Donc, ce sera nécessairement une phase de monstre. Donc, le power-up, il n'y a pas forcément besoin de compter parce que j'ai plus de 3D en réserve voilà. De toute façon. Donc, voilà. Je viens à fond sur... Toi, tu as perdu combien de points? Ah oui, 3. J'ai pris 3 points de dégâts. Donc, tu as 8? Oui, en effet. C'est malheureux, hein. Je tiens à le dire, c'est malheureux. Si je fais un swat en prenant cet avion et en le balançant dessus, je vais lui faire perdre potentiellement 1. Donc, tu arrives à faire assez de dégâts, ouais. Ouais, mais 1 point de vie. Et moi, je ne vole pas. Non, tu es un destroyer. Mm. Ah oui, donc tu peux pas forcément venir te mettre là, par exemple. Ah non, tu peux bah pas. Non, parce que... Non, je peux pas. Alors que nous, on vole, ouais, c'est vrai que ça change. On saute exactement. Ouais. Quelques de nos unités volent, mais nous sautons. Quand tu fais un rampage, tu peux pas faire un rampage à travers un monstre. Non. Tu t'arrêtes non. contre le tu t'arrêtes devant le monstre. Tu lui fais un point de dégâts et tu non, t'arrêtes. Non, même pas. Tu t'arrêtes. Le monstre, tu t'arrêtes devant. Ouais, tu t'arrêtes devant lui. Tu te stoppes devant lui. Ouais, c'est que toi, t'es à full en power, donc t'aurais intérêt à faire... Ouais, en fait, j'essaie de réfléchir. Après, le problème, après c'est tu que peux ton aussi venir, gêne, tu en peux, fait. Tu peux venir ici et faire une attaque, hein. Normal, hein. Ouais, mais je vais lui faire perdre un point. Alors que je suis déjà très douloureux, il faut plutôt... Tu peux pas le lancer. Ouais, c'est tu peux pas le lancer parce que ton avion ouais, gêne. C'est vrai. Par contre, alors je vais faire ça, on va voir ce que ça donne. Donc je fais un déplacement, mon déplacement normal. 1, 2, 3, 4. Ouais. Et je vais faire un stomp. Donc comme ça, je vais potentiellement pouvoir faire un point de dégâts à... Non, tu lui feras pas de point de dégâts. Le stomp, ça ne marche que ça sur les unités. Ça éteint les feux et ça pète les unités. Donc là, tu éteindrais la flamme et tu... ce qui permet après... Détruirais les deux unités. Et tu détruirais les deux unités. Après, je peux revenir éventuellement en arrière. Et donc, j'ai pas besoin, si je fais un stomp, j'ai pas besoin de mettre... Parce que ça a combien? Ça a 1 en défense, ça a plus de couvert. Ça a combien deux. En défense? 2. T'as pas besoin, tu peux mettre très très peu. Hein. Fais gaffe, mon... Tu peux mettre tes 2 dés de pouvoir parce mon que... Mon squeeze te retire un dé bleu quand même, lui. Ouais. Parce que t'es à portée. Ouais. Donc je te le précise néanmoins. Ouais, non mais tu fais bien. Mais tu pourrais même miser 2 dés rouges puisque tu es sûr de la récupérer après. C'est ça. Bon, je vais faire ça, et puis donc je mets un dé blanc. Ouais. C'est 4. Ouais, 4 dés bleus. Au moins un dé rouge, puisque c'est une attaque de puissant. Déjà rien qu'avec ça, si je fais pas 2. Alors tu m'enlèves un dé bleu, c'est ça? Oui, s'il te plaît. Tu peux mettre un deuxième dé rouge, parce que si tu... Oui, tu je vais la récupérer. Donc. Et donc, faut que je fasse 2, quoi. Oui, voilà. Ça va. Faudrait vraiment que j'ai pas de chance. Le risque est faible. Donc tu fais un piétinement. Ouais, c'est bien. Bon. Donc vous êtes tous les deux morts, et je retourne sous... Ah oui, tu as éteint le feu. J'ai éteint le feu. Voilà. Et là, je peux pas juste prendre Léo et le tirer en marque. Tu peux me faire un body slam. Non, c'est forcément à 90 degrés. Ouais. Non, toi, tu risques rien. Non, mais est-ce que tu vas bouger? Je vais faire un step back quand même. Il va reculer. Je vais reculer un petit peu pour me... J'ai nettoyé un peu le passage. Je recule de combien? Je vais me remettre là où j'étais ou pas? 1, 2, 3, 4. Bon, j'ai pris cher gratuitement là quand même. Voilà. C'est ton tour est terminé. En fait, au début de mon tour, on a oublié. Hein, je détiens un point négatif. Ah, tiens. Vous enlevez tous les deux un des rouge. De puissance. C'est fait. C'est bon. Mon tour est terminé. C'est donc à toi, Pete. Je suis en phase d'unité. Ah. Donc. Ramener quelques petits péons sur le plateau de jeu. Le premier, pour un point, il me faudrait, d'ailleurs même pour deux, car il coûte deux, il me faut un Elion. Quoique non. Pour un, il me faut un Squix qui va aller ici. Ah, il va faire repopper toutes ces saloperies vertes là. Non. On ne peut pas les appeler comme ça. ensuite. Pour... Après, il en a plus qu'une hein, dans ce truc. Point. Bah tant mieux, hein, parce que... Non, les pires, c'est les esclaves de chair, là, j'ai vu test.
Dans sa phase monstre, il les fait apparaître à chaque fois. C'est horrible. C'est pas à chaque fois, c'est de temps en temps. Pour encore un. On va faire apparaître ici. Donc pour l'instant, on est bien. Et il me resterait 7 dés. Faire des attaques ou d'autres invocations, si tu veux. Pour faire des attaques. Donc là, t'as pas pris l'activateur, là. Bah non, parce que je voulais juste pour l'instant tenir ça, tu sais. C'est... J'aimerais bien, mais c'est pas dans le budget. Là, on pourrait y aller. Ça coûterait 2 points. Donc pour 2 points, on va mettre le Hélion ici. Et on va maintenant déplacer nos petits amis. Tu vas pas venir m'embêter, quand même. Bah, en théorie, il faudrait parce que tu m'as quand même fait très mal. Ah non, c'est Léo qui m'a fait mal. C'est Léo, et dis donc. Ah non, tu m'as cassé mon copain. Je t'ai juste enlevé un petit point. Donc déjà, on va bouger lui. On va se remettre sur un point. Parce que quand même, faut pas exagérer. D'ailleurs, c'est même peut-être plus malin de l'emmener, il était là. 1, 2, 3, de l'emmener ici. Ça marquait qu'ici, on pouvait bloquer un passage. Ouais, mais maintenant, du coup, je peux venir là. Maintenant, tu peux venir derrière. Mais c'est pas grave. Donc ça, c'est lui à bouger. C'est même plus intéressant. Ensuite, lui... 1, 2, 3, 4, 6. Alors, une seule diagonale. 5, hein. Oui, 5, 6, il va à côté. Ça passe là? Bah ouais, regarde, tu juste là, regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça marche. Tout juste, ouais. Lui va aller prendre la place de l'autre ici. Moi, tu pourrais faire. Alors, ouais, je pourrais t'attaquer. Tu pourrais m'attaquer en attaque combinée. Hein. Je précise. Mais potentiellement, lui va t'attaquer. Mais bon. Pour une raison très simple. Et là, par contre, j'ai pas encore fait là. D'abord les déplacements. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est trop court. Trop court pour ce que je voulais. Et ben, on va faire 1, 2, 3, 4. Là. Ah, ouais, là, tous les activateurs, ça y est, là. C'est parti. Il faut que j'essaie des trucs. Là, pour la première fois de ma vie, je voulais être contrôlé un bâtiment, donc quand même, là, je suis très fier. Je suis vraiment très fier de ça. C'est vrai que t'as pas beaucoup de dés de puissance, toi, depuis le début, là. Rien. Et ben, je vais m'arrêter là. Maintenant, je vais attaquer. Alors, qui va attaquer? Alors, attends, qu'est-ce qu'il me reste? Qui va attaquer? Parce qu'il y a. Lui a le droit d'attaquer, il pourrait mettre jusqu'à 3 dés blancs. Et lui, il peut mettre. Mais il attaque pas, lui. Il est valable quand même, ça. 3 dés blancs plus 2 dés bleus. Sauf que. Hein. Donc, en fait, il me restera 2 dés. Il y a celui-là, il y en a deux qui peuvent attaquer. Et lui, il peut rajouter. Et c'est un quoi? C'est un élite? Non, c'est pas un élite. Donc, lui, il peut rajouter un blanc, un bleu. Donc, il me faut un de plus. Et il me resterait un dés blanc. Alors, attention, ouais. Tous ceux qui sont près de moi perdent un dés bleu. Un des bleus. Après, c'est-à-dire à deux cases jusqu'à deux cases. Tous ceux qui sont près de toi. Et lui, il est à deux cases. Ouais. Donc, à la guerre, il faut que je le décale pour que c'est à trois cases. Voilà. Lui, il perdra pas son bonus. Ouais. Et surtout que c'est. Ouais. Et eh ben, on y va. Donc, je paye trois dés blancs pour les attaques, ouais. Y compris un qui peut en mettre plus. Ben, le Hélion peut en mettre un de plus. Donc, même deux de plus. Je vais donc lancer ça. T'as combien de dés bleus? Le Hélion, on amène 2, il a pas ton malus, donc il prend 2. Le Mythe, il attaque pas. Et le dernier, c'est... C'est en bas attaque. C'est en bas à gauche, c'est lui, voilà. Lui, normalement, il amène un blanc, un bleu, donc il n'amènera juste qu'un blanc, il ramène juste pas de bleu. Pas de bleu. À cause de... Ah, ça va être dur, hein, quand même. Là, tu vas avoir du mal. Du petit malus. T'as 8 en défense. Hein. Ouais. J'ai 8 de défense. Non, tu as 7 de défense car le Hélion a pénétrator. Tu as moins 1 de def. Alors c'est. Oui. Et si je te touche, je te prends tes dés de power. Oh. Donc j'ai 7 de défense. Oui. Voilà. Vas-y. 7 de défense. Ouais, c'est statistiquement c'est un peu compliqué quand même. C'est un peu en dessous, mais. Ça se tente des fois. Alors, ça fait. Raté, 6. Raté. Léo, tu as survécu à 1. J'ai fini mon tour sur cette attaque ratée. Tiens, hop, monstre. Ah ouais, là par contre, ta prochaine attaque, ça sera du monstre. Ce sera du monstre, ça, s'il n'y a pas de secret, ce sera du monstre. Alors, Léo, monstre ou unité? Si tu pouvais commencer à aller embêter l'autre, ça m'arrangerait. Ah mais attends, là, tu fais une attaque de monstre, là. Il faut pas. Il faut répartir l'amour. Tu mérites un peu d'amour, Marc. Regarde, tu vois, t'as combien de... 1, 2, 3, 4, 5... Ah, c'est dommage, tu peux pas l'atteindre là. Si, parce que je vais faire ma phase de power. Ah oui, tu peux l'envoyer jusque là. Oh, voire même une case plus loin pour lui péter celui-là. C'est pas mal. Oh, mais bon, lui, il a déjà 8, toi t'as rien. Ah, il a rien pris, Marc. Il est temps de répartir un pouvoir, c'est ce que je dis. Regarde, Marc, il a posé toutes ses unités sauf une. Lui aussi, il a rien. Sauf une. Lui aussi, il a rien. Léo, il lui reste plein d'unités dans sa réserve. Toi, il te reste une pauvre merdouille. Il faut que tu prennes cher, Marc. Non, je suis pas d'accord. Pour des raisons d'équilibre, je pense qu'il faut que tu prennes cher. C'est pas un jeu qui s'équilibre. Je
pense qu'il faut que tu ailles te manger ce building là ou quelque chose. Je pense qu'il faut laisser les gros vers tranquilles et aller s'occuper d'autres gens. Je vais faire une phase de monstre déjà. Alors, voyons, combien je gagne. Ah, j'ai plus de. Je n'ai plus de zone de power. Non, t'as plus de zone de power. Tu gagnes 3. Parce que tu contrôles ces deux bâtiments. Je gagne 3. Voilà. Moi, j'arrive jamais à avoir de power. Tu contrôles pas de bâtiments, ouais. Ah, si, t'en as eu un moment en détruisant des unités, là. Ouais, c'est ça. Mmh. Je pourrais aller là-bas, mais après, je vais me prendre les deux attaques d'affilée. En fait, non, regarde, il y a pas beaucoup de dés. Il va être trop méchant. Il a dit des rouges. Et deux attaques, il parle de toi. Non. Je me retourne. Alors, l'orientation dans ce jeu n'a pas d'importance, oui. Mais moi j'aime esthétiquement, bien. Esthétiquement, t'aimes bien te retourner. Je comprends. C'est ça. C'est plus immersif, attention. J'ai l'impression que l'immersion va me faire mal dans pas longtemps. Je vais faire une attaque de power contre lui. C'est pas Marc du tout, il est là-bas, Marc. T'as un problème de ciblage, Léo. T'as plus ton hélico qui t'aide à cibler, t'as un gros problème de ciblage. Et donc, il faut que je balance à 1, 2, 3, 4, 6. Attends. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'était le seul bâtiment que j'allais contrôler 7. Une fois dans ma vie, Léo. Une fois dans ma vie, j'allais contrôler un bâtiment. Non, mais c'est pas dans ton karma de contrôler des bâtiments. C'est moi qui sécurise des bâtiments. Toi, tu ne sécurises pas des bâtiments. Toi, tu les détruis comme lui. Vous êtes des destructeurs. J'en ai pas détruit un seul pour l'instant. C'est pour ça, c'est le karma. Tu n'es pas dans ton... tu respectes pas le thème. Il a fait popper plein de trucs. Ok, alors, on y va. Je fais une attaque de puissance, donc comme ça, de projection. Donc, ouais. J'ai besoin de dépenser un dé de monstre, minimum. Mmh. Un petit dé rouge. 4 dés bleus. 4 dés bleus, un petit dés rouge minimum. Voilà, c'est 7 minimum. Non, 7 minimum. 1. On a 8, donc. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ah non, tu retires un boost die, s'il te plaît, à cause du Squix qui est juste à côté de toi ici. Là. Un bleu de moi, s'il te plaît. Il n'y a que moi qui ai le droit de faire ça. Et la disruption, je le sais. Eh oui, la disruption, le Squix. Ok. Bon, là, t'as 7 dés hein, pour le réussir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. T'es à 8, 7. Hein, toujours. Ah, toujours, ça n'a pas bougé. Ouais, ça devrait suffire. Normalement. Moi j'ai raté ma super attaque. D'autres aussi ont raté leur super attaque. On sait jamais. Ah, je pense que c'est raté. Oh ouais. 3. C'est pas assez. 4, 5. Eh bah oui, alors ça c'est le. Ah, je contrôle la tour. Ah non. Je dépense un dé et je vais relancer tout ça. Non. Vas-y. J'étais trop content, je survivais. Pas mal. Alors si tu rates, par contre... Ah si je rate, là je... Tant pis. C'est bon. Mais là c'est bon. 2, 3. Là ça passe. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. C'est... Y a pas beaucoup de marche quand même. Donc... Mais je vais encore prendre quoi? 3 points de dégâts? Même plus? Tu prends 3. 1, 2, 3. Et donc je passe en forme hyper. Et moi je gagne combien? J'ai donc, écrasé un monstre, enfin une unité plus. Je gagne 3 points de... Je n'ai plus le droit de sacrifier des unités pour regagner de la vie. On m'avait vendu que je le ferais plein de fois et que c'est pour ça que j'avais pas besoin de bâtiments spéciaux. Mais je pense que c'était du flan. Ça sent le flan. Ah mais regarde. Mais d'une force. Il a pas perdu un point de vie lui non plus. Hein. Ça sent le flan. J'ai 5 points de vie les amis. 5 points de vie. Alors en fait, je gagne combien pas, 3D. On va équilibrer les choses. Là, j'espère parce que là je sais pas trop quoi faire. Alors il me reste un dé de monstre. Est-ce que ça vaut le coup que j'aille Je sais pas quoi faire. Je sais ce que je vais faire. Parce que comme j'ai pas envie qu'ils viennent me balancer, je vais faire un petit stepping de 1. Je vais le mettre là. Là, ça me gêne, effectivement. Voilà, là, ça sera plus difficile de venir se mettre en socle à socle. Voilà, donc j'ai plus de dés de monstre, donc je ferai forcément une phase d'unité au prochain tour, mais je suis un petit peu. Là, tu m'embêtes. C'est ta marque. Là, tu m'embêtes, franchement. J'ai mal. T'as mal ? J'ai mal. Alors, qu'est-ce que tu as gagné ? Alors, j'ai perdu le fait de sacrifier des unités pour gagner la vie, évidemment. Par contre, en échange, je terrifie les gens. Les ennemis qui sont adjacents à mon modèle ne lancent plus jamais de dés bleus. Les unités, non ? Non, les... Ah oui, units, oui, les units. Ok. Pas les unités ne lancent pas. Et avec le blast, je peux fling. Quand cette attaque touche une unité, je choisis un building ou un ennemi modèle qui est dans les 5 cases de l'unité. Et à ce moment-là, je relance les dés et ça peut détruire l'unité. C'est donc j'ai intérêt à blaster maintenant. Un building ou un ennemi modèle, ouais. Hein. Ouais. Ah ouais, d'accord. Donc là, ton blast devient... Bien chiant.
Et il a une portée de 5. À 5, c'est énorme. Ouais, il a en général, on n'a que 3. Donc là, je peux pas venir vraiment me mettre base to base avec toi. Alors, on peut, pendant son mouvement, tu m'as dit, traverser les unités ennemies et les monstres. Ennemis. Oui. Les monstres aussi ? Non, pas les monstres. Non, les unités ennemies. Uniquement les unités amies ou ennemies, tu peux les traverser. Tant pendant que ton mouvement, tant que tu t'arrêtes pas dessus. Du coup, je peux pas venir là parce que. Ben, il faudrait que je passe par là. Tu pourras pas. Non. Mais lance-lui un rayon laser dans la tête. Ah, et tu peux même pas aller chez. Warpit. Comme, on arrête d'aller voir Pete, c'est bon. Attends, j'ai déjà vu le film. Ça se réfléchit. Non, ça se réfléchit pas du tout. C'est quoi cette histoire? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Ah oui. Un point de dégâts. J'aime on termine et puis on finit entre nous, Marc. Oui, moi j'irai boire un café. Bon, moi après je fais une phase d'unité. Hein, donc, de toute façon. C'est obligé. Après tu fais une phase d'unité. Il fait quoi comme effet celui-là, s'il te plaît? Rien, c'est quand il tue une unité adverse, et il la remplace par une unité à moi. Donc, il a deux et il flotte, il est over, il est commandeur s'il y avait d'autres snatchers. Et toi, tu fais une phase de monstre derrière? Moi, c'est du monstre, oui. Je n'ai que des dés de monstre. Je sais pas avec quoi ni comment, mais j'aimerais bien l'idée, j'avoue que j'aimerais bien. L'idée me plaît. T'as pas beaucoup de power dice? Non. Ah non. Alors, je vais faire... On va essayer. J'ai envie de tenter un truc. Je sais pas si ça va être bon ou pas. Je vais faire une phase de monstre. Donc, je power up, vous perdez tous un dé de pouvoir. C'est fait. C'est bon. Ensuite, 1, 2, 3. Ouais. Attends. Non. Pardon. 1, j'étais où? J'étais là. 1, 2, 3, 4. Ouais. 2, 4, c'est très bien. Ça, c'est ton mouvement ou c'est du... C'est mon mouvement. C'est du mouvement. C'est mon mouvement. Et je vais faire avec cette unité là. Je vais faire un SWAT. La question, est-ce que je fais un SWAT ou est-ce que simplement je la tape? Balance-la sur Léo. Ouais, le truc c'est que si je fais ça. Ça te demande de lancer plus de dés. Ça va me demander. Mais tu peux aussi la lancer contre une autre unité ou contre un bâtiment. Ça marche aussi. Mais si tu détruis le bâtiment, bon, remarque, tu manques pas de power toi. Ou contre moi. Balance sur Léo, regarde. Non, je vais pas lancer contre Léo, ça n'a aucun intérêt. À lui faire un dégât. Mais non, mais il faut que je lance beaucoup de dés. J'ai pas envie de lancer beaucoup de dés. Ah. En même temps, moi, ouais, mais... T'en as max des dés. Il y a surtout beaucoup de dés rouges. J'ai beaucoup de dés rouges et j'en génère, mais vous allez venir m'embêter. Pas moi. Moi, j'en veux à Léo, il y a que Léo qui m'a fait mal. Techniquement, j'ai une cible. Donc, je vais le jeter. Et on peut jeter à 5 cases, hein, c'est ça? Oui. Ouais. Je vais jeter ton... ça, là. Ouais. Donc, je jette. Je fais 4 dés bleus, 1 dés blanc. Ouais. 1 dés rouge minimum. Mm-hmm. Je pense que... Alors, sur quoi je le jette? C'est ça, la question. Si je Alors, attends. Sur Léo. Mais sur Léo... J'ai une disruption qui fait que... Je suis à 2 cases. Ceux qui sont à 2 cases lancent un dé de moins en bleu. Un dé bleu de moins. Disruption. Toi, t'as pas de disruption Non, ça n'a pas de disruption, le Snatcher. Alors la question, c'est est-ce que je le lance sur Léo, mais toi t'as 8 en défense, alors, ça veut dire qu'il faut que je rajoute beaucoup de dés rouges, ou alors je peux le lancer là-dessus, je récupère mes dés, ça va pas avoir l'intérêt. Alors si tu le détruis, toi tu pourras mettre autre chose à la place. Hein. Je sais pas quoi, mais oui, je mettrai quelque chose. C'est toujours ça, dans le jeu, c'est 5. Vraiment choisir le nombre de dés qu'on va lancer, c'est toujours... c'est vrai. Et une attaque ratée a beaucoup d'attaques. Il n'a pas une défense en moins à cause de toi, là? C'est contre ses attaques à lui, quand le mien attaque. C'est Penetrator. Ouais, c'est ça. Non, je vais... Ouais, si, je vais lancer sur Léo. Hein. Mais oui, il faut que je prenne un peu un dégât, quand même. Bon, tu prends cette unité, et tu me la balances dessus. C'est ça, super. Alors, premier jet pour la pointe. Oh, c'est bon, elle est morte. Elle est morte, donc, là. Merci beaucoup. Donc, de rien. Tu gagnes tout de suite un dé de pouvoir. T'étais un ami, toi. Ah oui, t'étais élite. Bon, tu le mettras après. Et là, tu relances tes dés là pour essayer de passer ma défense qui est de 8. Je pense que ça passe. Hein. Oui, c'est bon. Il y a 4. Oui, c'est bon. Donc tu prends un dé de dégâts. Et voilà. Il a percé mon blindage. Je vois ça. Et je vais faire. Avec un snatcher. Est-ce que tu vas faire maintenant du stepping? Oui. 1. D'accord. Je te mettre où? Ah oui, parce que je fais pas une phase de... Donc je récupère... là, je récupère pas de dés, j'en ai récupéré un tout à l'heure. Tu as récupéré un dé rouge, puisque tu as détruit une unité.
Ok, et tu m'as fait perdre un point de vie. Bah, c'est bien. Je suis à 10. Et toi, tu as combien? 12. Il a rien pris, lui. Mais non, mais c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Depuis le début, Léo, je te le dis. Il a posé toutes ses unités. Il a posé toutes ses unités. Non, mais regarde, maintenant c'est à son tour. Il fait une phase de power-up. Donc on perd tous un des pouvoirs. Encore 1, 2, 3, normalement. Non, j'ai failli avoir un building pour le moment. Mais... il a quand même 6 dés rouges. Hein. Tu rigoles, toi, t'en avais 10. C'est quoi cette fausse blague? Ouais, alors, le mec qui a pas de dés rouges, il dit il en a quand même 6. Oui, voilà. Mais je les défonce pas. Il m'a fallu combien de tours pour obtenir 6 dés rouges? À raison de 2 par tour, il m'a fallu 3 tours. Alors, qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est une bonne question. J'aurais bien blasté des unités, mais il n'y a pas grand-chose à blaster, donc c'est dommage. Ah, c'est compliqué de venir jusque chez moi. Jusque chez Léo, c'est pareil, mais à peu près... Tu t'as même encore plus loin que de chez Léo que de chez moi. Mais par contre, tu peux te mettre en socle à socle avec lui. Alors, tu peux pas te mettre en socle à socle avec lui. Ouais. C'est vrai, je peux me mettre en socle à socle avec... Mais je peux aussi... Attends. Et après, si tu veux m'embêter, tu peux venir casser ça, hein. Tu gagnes 3 points et puis tu me détruis. Tu me mets 3 points et... Ouais, mais c'est pour l'instant, c'est plutôt Marc le danger et pas Léo, donc j'ai pas envie d'aller... Si tu fais ça, tu le prends. Ouais. Il va se prendre 3 de dégâts et tu vas me gêner, moi. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Ça passe. J'ai 6 dés rouges. Il y a ça. Mais il y a certainement d'autres choses plus intéressantes à faire. Non, j'aime bien cette idée. 1, 2, 3, 4, 5. Donc tu arrives sans même dépenser de... Doré. Voilà, on saute la socle. Voilà. Et on fait... Vas-y. Alors, la disruption, c'est que contre les attaques contre toi. Je précise une petite chose. Sur ce plateau, il est légèrement plus petit. En fait, on s'est trompé dans l'impression. Il est plus petit que la version finale. Il sera 20% plus gros. Enfin, je ne peut-être pas tout à fait 20%, mais il sera un petit peu plus gros. C'est que ce sera plus facile de manipuler les figurines. Tu mets tout tes dés. Bah oui, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de mes dés? Je sais pas. Il te restera combien, toi? Plein de dés de monstres derrière. Ah ouais. C'est pas grave. Puissance, je suis... pas mal. Je vais m'en garder un pour la forme. Et t'as combien en défense? 8 aussi. 8 aussi. Alors tu peux monter jusqu'à 7 hein, en dés blancs. Ouais, 7 dés blancs. Sachant qu'il faut que j'arrive à 8. 4 dés bleus, hein, n'oublie pas. Ah oui, il est 4 dés bleus. Et il faut que je fasse au moins. Alors non, t'as pas 4 dés bleus, il a 1 dés bleu de moi parce qu'il est à 2 de moi. Ah oui, donc même ça marche. Mais je t'ai demandé, tu m'as dit que c'était que contre les attaques contre toi. Pour tout le monde? Non, c'est pour tout le monde. D'accord. Les ennemis modèles qui attaquent en étant à 2 espaces de ce modèle perdent 1 dés bleu. Excuse-moi. Donc il faut que je mette 5 rouges. Oui. 5 rouges, 3 bleus, 4 blancs. En théorie, on passe pas mal quand même avec ça. En théorie, okay. 5. Je vais rajouter un blanc pour la forme, allez. Allez. Ça devrait passer. Ça passe toujours. Ah non, il y a 2 de plus, t'es à 10. Donc ici, donc toi t'es mort. Et hop. D'accord. Donc je prends 3 points de dégâts. Et moi je gagne... 1, 2, je gagne 3 points. Tu gagnes 3 de 3 rouges. 3 rouges. Et je récupère ça. Et t'as perdu 3 points de dégâts, donc tu as combien? Je suis à 8. Hop. Est-ce que tu peux faire du stepping? Il me reste des dés pour faire du stepping, pour éviter de me refaire balancer dans un mur par Léo. Alors, Léo n'a pas de dés monstre. Je sais pas, je ferai pas du monstre. Il fera pas du monstre. Donc tu peux obliger, c'est moins important. Par contre, Marc... Marc, il a du démonstre. Il va faire du monstre. Je vais faire du stepping pour 5D. 5D? Ouais. 5D. Ah, carrément. J'ai une idée de 5D de stepping. Et tu veux où? Non, pardon, 4D de stepping. Je vais faire... 1, 2, 3, 4. Donc là, ça va me faire projeter contre un mur, cette histoire. C'est pas grave, je reste comme ça. Attends, mais là, tu peux te faire projeter sur ces deux-là. Hein. Ah oui, donc ça me tue. Non, mais chut. Je le finissais, là. 3, 2... 1, 0, donc 4. Attends, non, t'étais pas là. J'étais là. Non, parce que t'étais contre moi, donc t'étais là. Comme ça. Ouais. Bah, je vais plutôt garder mes dés alors. Hein. Finalement, dans la série des bonnes idées. C'est mieux là. Ouais. Mais pourquoi il parle? Merci Léo de me permettre de faire un jour encore un plâche. Ouais, je sais. Alors, en plus, je vais me le prendre moi si ça se trouve. Alors, phase d'unité. Phase d'unité. Donc là, c'est forcément phase d'unité. Donc je vais d'abord faire une allumer. Oh, mais je pourrais lui faire une attaque combinée. Je vais me prendre un point de dégâts de plus. Tu as combien, tu as 8. Je vais faire une attaque combinée sur toi. J'ai déjà fait ton spawn. Et je vais aller retirer ce truc-là que Comme je ne supporte pas. Donc,
Alors, c'est pas évident, hein, mais pour, le, pour l'avoir, je pense qu'il faut que je mette un avion d'élite, donc je vais mettre 2. Mmh. Ensuite, je vais faire spawner mon, mon tank anti-monstre. C'est clair. Ah, je vais faire spawner sans doute mon petit hélicoptère pour lui faire baisser sa, sa défense de 1. Le célèbre petit hélicoptère. Ah, j'aime bien. Il revient. Il revient. Il se fait défoncer à chaque tour, mais il revient à chaque tour. Il faut que tu mettes encore des unités. Ça va pas être suffisant. Je pense que ça commence à être pas mal. Je pense que tu vas prendre un point. Mais c'est possible. Après... Après, j'ai pas beaucoup de... Peur non. Lui faire dépenser du dé. Le problème, c'est que je sécurise plus beaucoup de bâtiments. J'ai plus qu'un bâtiment sécurisé. Et là, tu lui as donné une idée, mais c'était pas très une très bonne idée. Non, mais tu sais, non, c'est pas une bonne Léo, idée. Pour moi, j'ai jamais sécurisé un bâtiment de ma vie, et bon, ok, je suis presque mort, mais pour le reste, ça se passe il bien. Il le vit très bien. Pour l'instant. L'important, c'est pas la chute. Hein. Donc, je pourrais essayer de sécuriser un deuxième bâtiment et te tirer quand même dessus. Donc, si je me mets ici. En cadeau. 1, 2. Bon, je vais en avoir un troisième avec mon avion, ça doit pouvoir le faire. Je vais pouvoir sécuriser celui-ci et celui-là. Alors, est-ce que j'en ai assez pour faire ça? Je vais avoir un problème de power parce que il n'y a pas de zone de power là disponible, il n'y en a nulle part. Il n'y a pas une zone de power où je pourrais t'attaquer. Non, toi, elles sont là les premières. Ta zone, elle a ce défaut-là, c'est qu'elle est loin des zones de power. Il faut que je sécurise au moins 2 bâtiments, donc peut-être ces deux-là. Ça me fera 3 dés de power, c'est pas beaucoup. Hein. 3 dés de power. C'est vraiment pas beaucoup. Moi je prends 2 à chaque tour et... Tu t'en portes pas plus mal. Tu vis très bien avec. Enfin tu sur... Je survis très bien avec, on va dire. Bah t'es en hyper forme. Ouais, mais pas en hyper santé, tu vois. Là, bizarrement est-ce que ça marche pas. Je peux avec tout ça sécuriser 2 bâtiments en même temps. T'as combien d'unités? T'as que 5 unités, 3, faudrait 4, que t'aies celui-là. Non, 5 c'est... Faut que tu bouges ton avion. Une unité de plus. Il faut une unité de plus. Alors soit il faut une unité de plus, soit il faut que ton avion vienne sécuriser. Mais de toute façon, tu sécuriseras pas s'il reste à côté, non? Non, mais Marc, il sécurise pas, il y a un gros monstre à côté du bâtiment. Je ne sécuriserai pas. C'est là que tu sécuriseras pas, en fait. C'est juste Marc qui veut te faire dépenser des dés. Bon, moi, c'est clair. C'est un cadeau gratuit. Il me casse ma baraque à chaque fois. Alors, je te donne un 10. 5 points de vie, j'ai le droit. Bon, allez, j'arrête là. Je vais faire... T'as pas réussi à faire bugger Léo. Oh, putain. Mais oui. Donc, mon avion, il va venir... Comme tout à l'heure. Hein. Il va faire la même. Il va approcher, il va tirer. Sauf que là, c'est une unité d'élite, quand même. Ah, enfin, mais elle a combien de défense? Bah, pareil que l'unité de base. De façon élite. Voilà. De toute façon, tu n'as pas de couverture, puisque c'est... mes avions retirent la couverture. ensuite, bah, je vais me positionner. Alors, juste, c'est pas pour te dissuader ou quoi que ce soit. Hein. Mais si derrière, tu veux me faire une attaque combinée sur mon monstre, il va quand même falloir que tu jettes des dés pour le toucher. Et si tu dépenses tous tes dés ici? Si je dépense 2 dés ici... Plus que 3. J'aurai plus que 3. Il y aura plus que 3 unités qui pourront participer. Pas énorme. Si je lance qu'un seul dé... Il est fort, ce Marc. Il a combien? Non, c'est de la logique. Il a combien de défense? Il a 2 de défense. 2 de défense avec 2 dés bleus et un dé blanc. C'est ça, pas ton avis? C'est la version élite. Ouais, un dé blanc suffit. Donc, je l'ai déplacé, maintenant j'ai déplacé les autres, je garderai 4 dés, je veux faire une attaque avec 4. Donc, il y a mon hélico qui va venir, il faut qu'il soit à 2 cases. Sur le côté. Pour me défendre, ça me défait ma défense. Moins 1 de défense, oui. Moins 1 de défense. Là, je pourrais même le mettre là. Ensuite, il y a ma petite. 2. Ici. Je le vois, hein, je crois. Lui, il va venir ici. Donc tu vas me faire une attaque de mêlée. Non, une attaque de tir. Et il y a mon avion qui va aussi venir. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un endroit... Alors, on est bien d'accord que... Enfin, je sais pas pour t'embrouiller encore, hein, mais tu sécurises plus le bâtiment, on est d'accord. Sur le temps, en mettant le temps, c'est vrai que le bâtiment est plus sécurisé. Tu vois, je suis gentil, hein, je vais le dire. Là, c'est ici. Alors, sur une attaque à distance, ça te change rien en plus. Ouais. J'ai failli avoir un bâtiment. Voilà, et mon avion reste là. Donc tu mets qui dans la bataille? Il y aura ces 4 là, donc je garde 4 dés, et je vais commencer par celui-ci. Vas-y, donc tu lances un dé blanc pour ça, attends, bleu. Non, je vais commencer... Qu'est-ce qui est le plus important?
Parce que avec ça, je peux faire une relance. Mais il faut garder un dé. Bah, commence par ton attaque contre son monstre. Je commence par l'attaque contre son monstre. Ça, je verrai si c'est raté de peu. Si la relance peut venir. Je vais commencer l'attaque contre le monstre. Donc, 1, 2, 3 et 4. D'accord, donc 4 dés blancs. 2, 3, 4 dés blancs. Qu'est-ce qu'ils mettent? Moi, il fait tu as moins 1 de défense grâce à mon hélico. D'accord? Moins 1 de défense grâce à ton hélico. Tu as combien? J'ai 8, donc 7. Tu passes à 7. Donc, t'es au courant que si tu me touches. Alors, ah oui, t'as d'ailleurs, j'ai oublié tout à l'heure quand j'ai reeled. Oui, quand on te, donc, tu te blesses, tu gagnes un dé rouge. Tu vas encore me donner un dé rouge de plus. Je vais te donner un dé rouge de plus, mais c'est pas grave. Je vais pas quand même ne pas t'attaquer pour éviter de te donner des dés rouges. Donc, mon hélico, il rajoute un dé bleu. Mm-hmm. Mon avion, il rajoute un dé bleu. C'est un normal, un dé bleu. Ton tank. Mon tank. 3 dés bleus. Il rajoute 2. 1 plus 2. 2 parce qu'il attaque un monstre. C'est 3 dés bleus. C'est 2 quand il attaque un monstre. C'est plus 2 quand il attaque un monstre. Plus 2 quand il attaque un monstre. Et enfin, mon exo-armor, alors là, elle attaque pas au corps à corps, elle attaque en blast. Donc elle rajoute 0. Pas. Donc en fait, pourquoi elle attaque pas au corps à corps? Parce qu'il fait une attaque de blast combinée. Oui. Donc c'est 0. Donc en fait, j'ai même pas besoin de la faire attaquer, ça sert à rien. Mais t'enlèveras un dé blanc. Ah non, tu peux mettre deux dés blancs avec les autres, donc c'est bon. Bon, alors en fait, elle a... Ouais. Oui, ça change rien. Ça change rien. Donc, faut que tu fasses 7. C'est quand même pas gagné, hein. Il manque le petit dé rouge. Ah, c'est peut-être... C'est gagné. Bon, ouais. C'est gagné. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, c'est donc, bon. Donc, je perds un point de vie et je gagne... Tu gagnes un rouge. De toute façon, je les aurais eu, mais... Donc j'ai pas eu besoin d'utiliser ma capacité de relance. Mm-hmm. Et là maintenant, c'est à moi. Donc tout ça. Non, j'ai une attaque ici. J'ai pas fait exprès. C'était. Alors là, je vais lancer un dé d'unité. Et deux dés bleus. Et deux dés bleus. Bon, là. Ça vaut ce que ça vaut. Non, raté. Bon. ça m'emmerde. Mais bon. Alors, c'est attends, donc je gagne même pas de dé de power là. Bah non, t'as pas détruit le petit... Le schtroumpf. Tu m'emmerdes avec ton hélicoptère. Le moins 1 là? Alors, au-delà du moins 1... Où tu voulais te poser contre lui. Bah ouais, je peux... Mais... Alors attends. 1, je regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Faudrait que je passe un dé pour... De step-in pour venir là. Le truc, c'est que si je fais ça, j'en éclate un. Mais l'autre, il me défonce derrière. Parce que vous avez deux phases de monstre. Ouais, on te pousse où en te défonçant par... Alors, vous allez me mettre une body slamée là, pour que je peux le faire. Tu peux me jeter là-bas, tu peux me jeter là. Bah, moi, je vais pas te jeter là parce que j'ai mon unité. Est-ce que je fais ça? Alors, si je me mets là, je vais la remettre où elle était. Hein. Si je fais ça, je peux faire quoi à Pete? Pourquoi à Pete? Je regarde les options. je peux te jeter là. Alors le body slam, si je fais un body slam de l'un sur l'autre, ça marche pas. Non. Je peux te jeter là. Dans tous les cas, c'est 3 points de dégâts. Oui. Il serait à 2. Toi. J'aimerais moyen. Et là, ouais. Si je m'occupe de toi. Oui. Je peux te jeter. Bah pareil là, c'est plus intéressant parce que je détruis son monstre au passage. Oui. Donc ça te fait 3. Là je peux te jeter, ça peut faire 2. Mais je peux te faire un body slam ici, ça fait 3. Le plus intéressant ce serait de te jeter là. Ouais. Est-ce que je peux te jeter par là? Ça ferait 2, je te pèterais ce truc. C'est pas très intéressant. Je pense que le plus intéressant c'est effectivement d'aller te jeter ici. Toi Léo. Ça me pète un point de pouvoir. Voilà. Ouais, bah oui, parce que tu nous affaiblis un peu tous les deux. Mais par contre, je suis hyper explosé derrière. Ça veut dire que je me prends deux tours. Avec des attaques. Avec des attaques dans la face. C'est pas forcé qu'on aille tous les deux contre toi. On n'en sait rien. Vous pouvez m'achever en deux tours. Non, je pense pas. Ah oui, toi, t'es à 7 points de vie. T'es à 7 ou à 8, ouais, c'est ça? Je suis à 7. J'ai pris 3 plus 1. C'est risqué quand même. On vit très bien en hyper. C'est risqué quand même. Hein. Sinon, tu lui pètes son bâtiment de relance. Alors, autre solution, effectivement, c'est d'aller sur Rampage. Tu
Il pète son canon, qui est pénible, et son bâtiment. Alors il va faire une phase de monstre, mais après derrière c'est pareil, il va venir me prendre et me défoncer. Excusez-moi, là je prends un peu de temps parce que c'est important. Ouais, je vais aller jeter les ours. Allez, hop. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis. Un step in. Après, le problème, c'est une gêne. On va se tourner un peu. Voilà. Un step in. Tac. J'ai oublié de faire mon power up. Ah. Hop. Et vous perdez tous un point de pouvoir. C'est fait. Et donc je vais jeter Léo, donc il me faut au moins... Il y a trop de dés rouges. Un dé là. Lui il a jamais de problème de pouvoir. Non, parce que là il y a ces trois bâtiments là-bas. Plus sa zone négative, tout au même endroit. Et donc je vais en mettre combien? Je vais aller là-bas. Je vais en mettre combien? Toi tu feras une phase de monde, donc tu vas pas m'embêter là au prochain tour. Combien je vais en mettre? T'as 8 en défense, hein? Ouais. Là, j'ai 8 dés rouges plus tout ça. T'as mis 8 dés rouges? Pourquoi tu mets 8 dés rouges? Pour être sûr de me passer, c'est ouais. Ça? Je sens, oui, là, lui j'ai, là, j'ai là, pas c'est... il a tellement de pouvoir, il s'en fout là, et hop, alors, il est. Et je vais garder les dés blancs pour faire du stepping après. Donc il va me prendre et il va me balancer contre le bâtiment et contre le. C'est quoi? C'est un Squix. Contre le Squix. Est-ce que j'en mets plus? Tu deviens mort. Attends, tu as retiré un des rouges, hein? Un des bleus, s'il te plaît? Non, pas encore. Tu as retiré un des bleus. Bah oui, du coup, je mets un des bleus. J'ai assuré le coup, là. Allez. Je pense que plein. C'est bon. Ouais. Trop. Plus donc. Que largement. Ah, je retire le petit Squix. Hop, donc je te mets là. Ouais, je te mets là. Tu mets là? Ouais, plus loin. En feu, tiens. Ouais. Hop. Donc tu prends 3 points. De dégâts. Prends 3 points de dégâts. J'ai pété un immeuble, donc je prends 3 dés rouges. Et t'as pété une de mes unités aussi. J'ai pété une unité, donc je prends un dé rouge. Ouais. C'est affreux. C'est horrible, hein. Et est-ce que j'ai autre chose? Lui, nous on galère pour avoir du power, et lui c'est... C'est un peu la force de mon clan. Ouais. Hop, ça va là. Et maintenant, on va Tu peux faire du stepping. Ouais, c'est dommage que tu puisses pas faire un double combo, tu vois... Le jeter là. Non. Non. Alors le step in, il va falloir le faire. Je peux faire 5 pas max. 1. Attends, non. Ouais. Il fait comme ça? J'étais là. Oui, base to base. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux aller jusqu'ici. Là, Léo et moi, on est égalité. Je suis à 7 points de vie. Je suis toujours à 5. Toi, tu es aussi à 7, Marc. Et toi, ce qui est bien, c'est que 5. Là, on peut. Tu peux, ouais, c'est serré, hein. Tu peux aller le balancer sur son truc, là. Ouais, je vais faire ça. Hop. Ou alors, il peut aussi aller te voir. Hein. Mais non, il a une phase de monstre full dice. Tu t'en as d'autres, des blagues comme ça? Ouais, de toute façon, si tu te mets devant moi, c'est toi qui vas venir chercher. Non, c'est pas toi que j'irai chercher. Ah, bah attends, si, parce que s'il se met là, tu le balances là, tu l'achèves, d'un coup. Bah, évidemment. Ouais. Il a aucun, t'as absolument aucun intérêt si, à mettre sauf, là. Sauf si derrière, il fait du stepping pour pas rester là. Il peut le faire et pas faire de stepping. Et là, il te balance là, il gagne 3 points de power parce qu'il écrase ton truc. Mmh. Et après, il fait un stepping pour pas être à portée de... Mais j'ai que 5 dés. Ouais, pas beaucoup de stepping. Ouais, mais tu vas faire une phase de power. Tu gagnes des trucs en power là? Rien du tout. Bah non, c'est vous m'avez encore pété mon truc. Il en gagne un là. Non, rien là aussi, j'en gagne 2. J'en gagne 2 et il nous fait baisser de 1. Toi, t'en as plus. Parce que lui, il a une phase de monstre, mais il est pas full die. Hein. Il a 0 en puissance. Hein. Mm. Parce que là, il maîtrise 1 et c'est tout. Mm. T'as aucune zone de puissance. Ouais, t'es. Bah, en gros, tu sais que moi derrière, je vais pas venir t'attaquer. Moi, j'ai pas intérêt à embêter Léo ce tour-ci, en fait. Moi non plus. Mais à l'heure actuelle, t'es quand même le plus dangereux, Marc. Bah, on a le même nombre de points de vie. Oui, mais regarde. T'as tu as meilleure position pour la suite. T'as posé toutes tes unités sauf une. Non, t'es quand même plus dangereux, Marc. Là, tu me mets dans une situation où je suis hyper mal parce que j'ai plus ma base, j'ai plus de power. Non, c'est pas ça que tu l'as. Si tu y vas, tu le. Et derrière, je me fais manger par toi, Marc. Bah, non, moi, je peux pas faire de phase de monstre. Hein. T'as largement le temps de temporiser. Non, moi je vais faire. Je veux. De toute façon, c'est à qui je veux, en fait. T'as intérêt à le balancer. À toi. Ah, c'est à moi. Donc, je fais une phase de monstre, power up.
Donc tu gagnes 2 points. 2 et vous perdez 1. Non, tu l'avais pas fait. Alors, donc. Et donc, si tu le prends et que tu le balances là, tu lui pètes ça, tu lui pètes son. Ouais, mais. Sa base. C'est mal. C'est toi qu'il faut que j'affaiblisse plus que Léo, malheureusement. Parce que moi, derrière, je pourrais pas aller affaiblir Marc. Donc, tout ce que je vais faire, moi, c'est pas une attaque contre vous. Parce que j'ai pas de puissance, j'ai pas de dead power. C'est un commercial. C'est un vendeur. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Ouais, là, je peux te pousser dans un bâtiment. Pour la forme. Éventuellement, je peux me jeter là. Non, parce que j'ai pas envie de perdre mon petit mal. Non, si tu le jettes ici, c'est ce qui est le mieux. Tu gagnes. Allez, on y va. Ouais. Ah, là, c'est bien que j'attaque des fois. 1, 2, 3. Donc c'est bon, ça c'est bon. Pas de déplacement. Et nous allons maintenant. Donc je vais passer en hyper forme, hein, pour info. Hein. Bah je sais bien. Je vais faire deux fois plus mal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas le choix. Donc un dé comme ça, ensuite. Au quatre... moins un rouge, 4 bleus. 4 bleus. Au moins un rouge. Et tu as combien? T'as toujours 8 en armure, c'est ouais, ça. J'ai toujours 8. Et j'ai pas de malus cette fois. Attends. Donc là, là, il faut que tu assures un peu plus, peut-être. Même avec tes dés rouges, tu vas les récupérer hein, au prochain tour. Enfin, au prochain tour, ouais. Avec quoi? Mais là, s'il le casse, s'il te casse là. Non, mais franchement, si tu le casses là. Mais non, c'est là que je le casse. Ouais, tu vas gagner 3 points de power. Ouais, c'est vrai. Et après, tu vas en gagner 2 avec tes deux bonhommes là. Si, regarde. Oui, tu en as un là. Regarde, oh là tu vas en gagner 2. Tu vas en gagner 5 à ton prochain tour. Ah, c'est beau cette histoire. Donc ça, pas à son prochain tour. Bah, d'ici ton prochain tour, tu seras au moins à 5. Bon, voilà, je me suis gardé. Est-ce que tu lances des dés blancs en plus? Fais voir. Non, j'ai besoin de mes dés blancs. C'est pas assez là. Tu vas pas passer. Mais si, défense. C'est bien. Non, mais c'est si, pas c'est assez. Bien. 1, 2, 3, 4, 5. Là, tu penses que je passe pas? Là, tu es à 5. Là, maintenant, tu. Attends, il faut au moins 2. Là, t'es à moyenne pile 8. Bon, allez, je rajoute un blanc pour rire. Alors, mais fais-les bien rouler dans tes mains. Lui, là, fais-les bien rouler dans tes mains. Il t'a donné quoi avant la partie? Bah, il m'a fait mourir, mon bonhomme. Ouais, c'est bon. Rap, putain. Ça passe. Bon. Bande de salauds. J'ai réussi à faire une attaque enfin. Oui. Bande de salauds. Une attaque une fois. Oh. J'aurais pas contrôlé le bâtiment, mais j'aurais réussi l'attaque. Alors là, tu lui as fait perdre. 3 points. Voilà, 3 points. 1. 2, 3, c'est moi qui ai le moins de points de vie maintenant. Il y a 4. Et alors, tu récupères 3 points de pouvoir. Regardez. Je peux les ranger. Ouais, tu les autres. Alors, je suis passé en hyper forme. Vas-y, raconte-nous. Alors, vas-y, dis-nous. Donc, j'ai beaucoup plus de. Enfin, j'ai plus de défense, j'ai plus de dead boost et je gagne Annihilate. Oula. C'est-à-dire que mes attaques font super damage. Le super damage, c'est qu'au lieu de faire 1 point de dégâts, j'en fais 2. Et. Alors, Unearthly Rage. C'est-à-dire que t'es encore plus vénère, c'est-à-dire que même quand on te détruit tes unités, tu gagnes un point de power maintenant. Alors, quand en c'est. En plus. C'est voilà. Pas comme quand on te fait des dégâts, et également quand on te détruit des voilà. Unités. Pour ma part, j'utilise mes deux derniers dés blancs là, pour faire. Les deux derniers, mais non, donc t'en as plus il m'en reste un. Il m'en reste un, oui. Ah, et avec le dernier. J'ai copé un. Ah oui, bon. Ok. Alors, regarde, pourquoi tu le fais pas popper là? Regarde, lequel? Il y a un power. Bah ouais, non, je préfère de ce côté-là. Ah oui, d'accord, ok. Mais d'ailleurs, c'est même plutôt lui qui est intéressant. Je vais faire popper entre les deux, choisir entre les deux. Alors, Léo, à toi. C'est lui, voilà. Je suis à l'article de la mort, moi. Hein. Ouais, mais bon... On est tous les deux à l'article de la mort. Moi, je suis malheureusement... Il t'en fuit, là. Non, parce que je vais pas venir l'attaquer, là. J'ai pas de power, quoi. Et en plus, je peux même pas l'achever là où il s'est mis. Alors déjà, power up, tu gagnes 2 dés. Gagne 1, 2 dés. 2 malheureux dés rouges. C'est nul. Alors tu lui disais que c'était bien. Tu vois. C'est nul. Alors attends. C'est la géométrie variable, tu sais. C'est clair. Si je viens attaquer, tu as 5, toi tu as combien? Tu as 4. T'as dit juste avant que tu n'attaquais pas Pete. Hein. Je travaille juste le film. Je vais pas t'attaquer. Voilà. Non mais, t'as tout intérêt à le finir. T'as plein de dés blancs. Les dés blancs, c'est 2/3. Regarde, tu mets 6 dés blancs, ça fait 4 points de moyenne. C'est vrai. Je peux lui faire 3 de dégâts, là, si je veux. Ah oui. Moi, j'aimerais pas trop. Tu peux le jeter là. Ah non, tu peux pas le jeter là. Non. Attaque 2 dés... Je pourrais venir ici et faire un body slam, là. Oui. Et tu peux pas plutôt te mettre là et jeter lui dans son unité et le bâtiment? Tu peux pas venir jusque là.
Moi je suis sûr qu'il peut-être. Moi je suis sûr. Mais pourquoi ça? Non, faut faire un truc rigolo. Ah si, avec du bot... ah si, avec du... avec un slow. Avec un slow. Et tu peux me jeter. Ah mais oui, oui. Regarde, regarde, comme ça, regarde, comme ça, regarde, comme ça. Ça, ce serait ça, là. Ça, ce serait ça. Regarde, Léo. Hey, t'as Léo, dit, je ne vous attaquerai pas. Tu m'as mis à 5, c'est le moment, je pense, de rendre l'appareil, de lui montrer un peu où non, mais moi, je suis à 4. Hein. Mais c'est moi qui viens de le faire, le 4, c'est pas Léo. T'as promis que tu viendrais pas nous attaquer, ni un ni l'autre. Ce serait honteux. Si je me mets je là, viens plus, que je projette de 2... Je lui détruis ses deux unités. Plus le bâtiment. Et là, 3 points de dégâts. T'as des rouges dont t'as besoin. Il serait plus qu'à 1. Et t'as des rouges dont t'as besoin. Tu pètes 2 unités. Plus un bâtiment. 4 des rouges. C'est pas bon ça, 4 des rouges, Léo? Je pense que t'as besoin de 4 des rouges. Mais je trouve que c'est pas mal quand même. Oh là là. Je suis assez d'accord avec cette interprétation. C'est plus que ça. Alors par contre. Non, attends, je t'arrête. Oui. Tu pourras pas. Pourquoi? Parce que il faut que tu fasses combien de déplacements pour arriver jusque-là? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10 déplacements. Ouais, donc 6 et 4. 6 et 4, donc t'enlèves 4 des blancs. Donc il te reste 6 des blancs et 2 des rouges. Et c'est bleu. Pour faire l'attaque. Et c'est bleu. Et derrière, ouais, et c'est bleu. Et derrière, t'as pas de stépine. T'es en slip. Moi je te dis ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Il m'en faut 10 pour arriver là, c'est-à-dire qu'il faut que j'en dépense 4. C'est vrai. J'en dépense 4. Ah, derrière, t'es en short. Hein. Et j'ai lancé 6 dés. Il a les points de vie qui lui permettent d'être resté en short. J'ai 6 dés. Regarde, il y a 7, on ne fera jamais. Mais bon, on le taperait tous les deux, on serait tous les deux en face de monstre, on ne pourrait pas le descendre. Plus 4. Et derrière, tu bouges pas. Ouais, mais par contre, je vais lancer. Non, même pas, ça serait une power attack. Je peux lancer que 5 dés. 5 dés blancs. Ah, t'es limité à 4 5. Dés bleus et 2 dés rouges. Pour passer... Il faut que tu fasses du pouvoir. Tu as 8, toi? Il faut... Moi, je serais toi. Franchement, hein, tu te mets là, tu fais un rodéo. Ou là, tu fais un rodéo. Et tu récupères plein de pouvoirs. Et tu te mets à 20 km surtout de la figurine de Marc. Mais genre à vraiment 20 km. On est d'accord. Il faudra 3 ou points. Sinon, tu le fais là, ton rodéo. Je crois que... Effectivement, et ça qui est amusant à 3, c'est que on a tous intérêt à ce que... que ce soit sur Marc, je suis assez d'accord. C'est vraiment notre intérêt à 3. C'est vrai que si je vais là, c'est vrai que j'étais tenté, c'était tentant. Si je vais là, je ne vais lancer que 5 dés blancs, 4 dés bleus et 2 dés rouges. Oui, mais oublie pas une chose. Tu vas être trop short. Tu as ta tour qui te permet de relancer si ton jet était moins bon. Ouais. Tu augmentes tes chances exponentiellement. C'est pas beau ce que tu fais. Mais c'est très vrai surtout. C'est vrai. Ah, alors attends. C'est vrai. Il te faut des dés rouges pour pouvoir acheter les deux autres. 32, 1, 2, 3, 4, 5 et 5 fois 6. Ça passe bien en. 5, 6, 7, 8. Ah, ah ça, ouais. Ça. 5, 6, 7, 8. 5 fois 6, 30, ça fait bien 3. Je fais pile 8 en moyenne, c'est ce qu'il faut? Non, il faut 9. Il faut 9. Il est en hyper forme, il est à 9. Mais t'as la relance. T'as j'ai la relance. T'as tes chances. Hein. Alors, Matt, Marc, statistiquement, c'est jouable? Avec la relance, ça passe. C'est toujours, statistiquement, ça passe toujours. Par contre, est-ce que ça équilibre le jeu comme il veut le faire depuis tout à l'heure? Je suis pas forcément d'accord. Moi, je suis complètement d'accord. Alors que si je fais ça, tu seras plus qu'à 1. Derrière, ça va être à toi de jouer. Bon. Bah, je fais une phase d'unité, moi, derrière. Moi aussi, je suis en phase d'unité. Ah ouais, c'est pas mal, quand même. Bah oui. Mais il va ramasser masse pouvoir. Oh, allez. C'est un peu risqué. Et alors, ça fait une belle action, aussi, Léo. Moi une aussi, belle je action. Récupère beaucoup de pouvoir derrière, du coup. Hein. Ouais, une belle action, Léo. Vas-y, montre-nous comment on gazera sans la dans une montagne. Là, ouais, je pourrais avoir. En fait, je pense que tu m'achèves, mais derrière, il te finit. Bah, pas avec mes unités, en tout cas. Pas pour l'instant, mais en termes de dé de pouvoir, t'es bien plus avancé. Il a 7 points de vie. Il a 7 points de vie, certes, mais lui, il aura plus rien en pouvoir. Moi, je le gagne comment il va en pouvoir faire, si, il va en faire un petit peu. Bah, tu contrôles 1, 2, 3, 4. Non, je contrôle 3. 1, c'est 2, pas du pouvoir. C'est 1, pas du pouvoir. Ouais, bon. Comme d'hab, je vais mettre 3, et comme d'hab, tu me retireras 1 au début de ton tour, donc je repasserai à 2. Non, le pouvoir ne sera toujours pas chez moi. Léo, c'est une action magnifique. Non, c'est pas une belle action, parce que tu lui pètes 2 unités plus un building. Je sacrifie. 4 des rouges arrivent dans ta escarcelle. 4 des rouges, Léo. Ça a des chances de rater. Et c'est pour ça que tu as la tour. Ça a des chances de rater parce que 4 des bleus, 4 des bleus, plus 5 des blancs, tour, plus 2 des rouges. Derrière, plus de des blancs non plus. Mais Léo, la tour.
Non, il ne peut pas dépenser les 6. Ça, ça fait... 5. Non, mais derrière, ça veut dire qu'il ne fait pas de stepping. 3, 4, 5. Du tout. Bah non, mais contre qui? Mais on est en phase d'unité. Il n'a pas besoin de faire un stepping. En phase d'unité, mais derrière lui aussi, il sera en phase d'unité. Et donc, il est à la merci. Un peu plus que 8 en moyenne. Si tu fais, c'est ce que je dis, derrière, nous, on est en phase d'unité, certes, mais toi aussi, tu seras en phase d'unité. Donc, ça veut dire que nous, derrière, on a une phase de monstre et on te finit. Mais non, on ne finit pas, il y a 7. Même si on lui fait tous les deux 3 points, on ne le finit pas. Donc, non. Il va se retrouver où là? Mais on pourra pas faire plus de 3 points. Non, il reste vivant même si on l'attaquait tous les deux, Léo. Tu te mets dans une position très moi, je pense que c'est cinématographiquement le bon coup à faire. Il faut que Gozabra vole dans ce... Mais je peux aussi rater les deux jets, tu vois. Et là, c'est une grosse catastrophe. Oui, mais là, quand même, statistiquement, avec la relance, t'es quand même plutôt bien. Est-ce que statistiquement, ça marche? C'est ça la question. Est-ce que je peux venir aussi ici faire 1, 2, 3, 4... Tu prendras un dégât. Tu prendras un dégât. Et tu vois ça dans les films? Tu vois Godzilla aller casser des immeubles en les tirant sur le bout? Il fait pas ça, Godzilla. Bon, mais c'est pas Godzilla, c'est un défenseur. Allez, c'est pareil. Tu vois Exor faire ça, ok, je vais tenter ça. C'est vrai que c'est spectaculairement, c'est plus... allez. Donc... un enfoiré. T'as un sacré enfoiré. Je trouve ça moche. 4. Donc, 4 dés de stepping. Ensuite, je vais faire 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je trouve ça moche. Non, moi, je trouve que c'est cinématographique, donc ça passe. Non, c'est... voilà. C'est plus que vilain. C'est, donc c'est, là, c'est je vais sale. Lancer 5 dés plus 4 bleus plus mes 2 rouges. Et j'ai une relance. C'est ça. Il faut faire 9. 9. Mais ça se trouve, je vais rater les deux. Enfin, on te le souhaite pas. Bon, tu vas réussir du coup. Ah, peut-être que ça passe. 1, 2, 3, 4. Putain, 9. 9. Regarde, tu vois, Léo. Ça passe. Ça passe. Easy. Bon. Attends. Quoi? Non, non, non. Je vais pas le lancer là. Est-ce que tu peux le lancer qu'à 2 dés. Ben, ça passe. 1. 2. Si, c'est bon. Ah oui, ça passe. Ça, c'était très beau. Je n'aime pas. Et tu gagnes 4 des rouges. Je gagne combien? 4 des rouges. 4 des rouges. Ah oui, non, c'est bien. C'est bien. Bon. Je vais mériter un goodies en partant, minimum. Je te préviens. Donc, je passe à 1. Et il me reste un dé si je veux faire un stepping. Ah oui, très simple. Ou alors garder mon dé de monstre. Qui peut. Je t'invite à faire un stepping là. Oui. Non. Non, non. Là, je suis plutôt bien. Je reste là. Je garde un dé dans ma réserve de monstre. Soit, donc phase d'unité. Ok, c'est à toi. 3 dés. Oh là là, toi tu as gagné combien de dés rouges là? 3 dés rouges. Un par, à cause de tes merci. Blessures et deux à cause de tes unités. Ouais. Bah, il est blindé encore en pouvoir. Quand tu perds des unités aussi, tu prends du. Bah, ouais. C'est le. En fait, son nouveau pouvoir. Ah, la version améliorée. Ouais. En fait, toutes mes unités ont gagné Reeled. Ok. Et donc, dès que tu te prends des trucs, tu prends des dés. Donc phase d'unité. Ouais. Alors. C'est tendu, hein. Mais c'est ultra tendu. Donc là, Marc n'a plus que un point de vie. Ouais. Enfin, Gorgadra. Mais il a une défense de 9. Mais il a une défense de 9. Il fait des grosses attaques. Donc, je vais te péter celui-là. Depuis tout à l'heure, il y a des mecs qui se font leur petite guéguerre dans le coin, là-bas. Ça, c'est l'avion. C'est Blast. Donc je me garde un des blancs pour ça. Parce qu'il va lancer deux dés bleus, ça suffira. Ça peut rater, mais ça peut... voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais d'autre? Mais par contre, ouais, donc, c'est génial, quoi. Ça, je garde. Des nouvelles unités. Des nouvelles unités. Bonjour, nouvelles unités. Donc, une unité d'élite et une unité normale, donc 3 dés. Ensuite, donc, je vais déployer celui-ci en plus. Mm-hmm. Ok. Ouais. Ensuite, déplacement. La ville a fait la gueule, hein. Alors, la ville a pris des coups. Ah ouais. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, je sens que je vais me prendre une attaque combinée là. Je pense que des petits monstres vont essayer de te manger 1, les genoux. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est une attaque corps à corps ou à distance? C'est une attaque corps à corps. Que alors lui il pourra pas. Hein. On est d'accord, mais il sert pas à ça. Il sert à mettre un malus. Alors je pourrais, remarque, qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, si, attends. Je peux faire ça. Il en a plus. Donc ils sont tous déplacés comme ça. Ok. 4. Voilà. Voilà. Donc il va y avoir une. Et puis je pense que. Assez de dé de puissance. Et puis voilà. Alors fais gaffe, tu perds ou pas que ceux qui sont trop près perdent des dés bleus à cause de son champ de disruption. Oui.
Ils alors, ont... un dé de boost en moins, hein, chacun. Chacun, ouais. Mais bon, on va... je vais tenter. Hein. Lui, il va attaquer lui. On va commencer par ça. Tac, tac. Alors là, c'est le petit... putain, Blankman, quoi. Voilà. Ça, t'as c'est... pas de relance, toi. Ça, c'est fait. Oh, putain, t'as gueule. Pas un bâtiment. Et donc, je vais faire une attaque combinée. Donc, ils perdent tous un. Tout un bleu chacun. Ouais, mais bon, ça devrait quand même être pas trop mal. Va falloir des dés en bleu supplémentaires, par contre. Tiens, il y en a là 4 en plus, si tu veux. Tiens, je les pose là. On va voir ça, on va compter. Donc, au niveau des dés blancs, je pense que je peux tout mettre. Ouais. D'accord. Il y en a au moins un qui a 2. Les dés blancs, de toute façon, je suis pas impacté. Oui, mais est-ce qu'il y en a au moins un, parce que tu as... T'as 4 unités. Tu as 4 unités. Est-ce que t'en as au moins un qui peut lancer 2 dés blancs? Oui, lui, il peut. Oui, oui, tous, okay, en fait. Ok, bon, c'est bon, alors. Okay, parce que j'ai ça, donc ça, ça. Oui, c'est même celui-là, c'est même 3, okay. En fait. Jusqu'à 3. Ok. Je lance tous mes dés blancs. Ensuite, au niveau des dés bleus, lui, c'est 1, donc ça fait 0. Ouais. Les unités de base, c'est 2, mais comme il y a le commandant, c'est 3. D'accord. Donc c'est 3, 3, 3, donc j'en lance 6. Attends, le commandant, lui, il a combien de dés bleus? Il a 3. Ok, d'accord. Ouais. Okay. Donc j'en lance 6. Ah, bon, en fait, je vais pas avoir de droit de dés bleus supplémentaires, tu vois. J'en lance 6. Sachant que... lui, il te réduit ta défense de 1, donc il n'a plus que 7. Ouais. Hein, ah, puisque tu as... Ça va passer. Alors attends, c'est pas encore pas... Bah, t'as vu comment on m'a chanceaudé, hein. Ouais. Et eux, ils ont Power Gorge, donc c'est quand je détruis un ennemi, je... Prends un peu, ça, me... ça n'aura pas de... Ça sert à rien ici. Faut que tu fasses 7. Ah, ça va te faire. Ouais. Ouais, c'est bon. 6, 8, 9. Donc, je passe à 6. Je suis à 6. Pete est à 5 et Marc est à 1. Donc, Gorgadra est à 1. Defender X à 6. Je me suis trompé, j'ai pas lancé les roches. C'était 5 ou 6. Est-ce qu'il y a autre chose à faire? J'ai plus de dés blancs. De toute façon, j'ai tout lancé. Donc, la phase est finie. Donc, j'ai une phase d'unité, moi. Vas-y. Phase d'unité, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Alors tu peux m'achever... Ah si, t'as une attaque de monstre. Si je veux. Tu peux tenter de m'achever parce que ça va être chaud avec un seul dé blanc. Hein. Ouais. Ah mais tu fais un power-up. Je vais quand même faire un power-up, je vais avoir Ce serait encore plus sale. Oui, mais c'est peut-être lui qui va le faire avec des unités. Avec des unités, une attaque combinée, tu peux t'achever. Non, parce qu'elles sont trop loin, les unités. Elles sont loin, mes unités. Elles sont en train d'essayer de ramasser... Il y a quelqu'un dessous? Non, il y a personne. Lui, il est juste là pour... Il était là pour embêter je sais plus quoi au départ, tu l'as jamais bougé. Mais là de toute façon c'est une phase d'unité donc. Oui, c'est ça. Donc d'abord on va faire spawner des choses. Donc je vais dépenser 2 dés pour faire spawner ici. Et bon ici. Il va contrôler un bâtiment. J'ai pas perdu. J'ai pas perdu l'espoir un jour d'arriver à le contrôler. Ça semble fou. Lui il peut pas attaquer, lui il va pas bouger. Qu'est-ce que je pourrais faire spawner d'autre? Lui. Ok, on va tenter ça. On va spawner monsieur Snatcher ici. Voilà. J'ai fini ma phase de spawn. Mm-hmm. Maintenant, phase de mouvement. Donc. Alors, le Snatcher, c'est 2, donc t'as fait 2 plus 2. D'accord. Voilà, j'ai dépensé 4 dés, c'est ça. J'ai rien poussé. Donc, lui bouge pour venir contrôler le bâtiment. Oh là là. Lui va se cacher derrière. Ah non, c'est un point de spawn, donc il peut se cacher derrière. Voilà. Ici, il faut pas bouger. Par contre, lui, il peut bouger. Il peut faire 1, 2, 3, 4. Il peut se mettre là. Il peut aller se mettre là. Et après, là, j'attaque pas. Je peux même pas attaquer. Donc, c'est pas grave. Un truc que j'ai oublié depuis le début. Emmerdé, hein. C'est que quand je sécurise, je pouvais. Mais les unités que je spawn me coûtaient un point de moins quand même. Les deux, à chaque fois, t'as le droit de payer une unité en moins. Ouais. Une seule. Lui, hein, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, on va attaquer des trucs. Alors, qu'est-ce que tu vas attaquer? J'ai que lui, je pense qu'il peut attaquer. Le bonhomme qu'on va mettre là, lui. Mm-hmm. Bon. Voilà, je suis au corps à corps. Il a un ou deux blancs et deux bleus. Il y a des malus quelconques. Bah, tu as un des bleus de moins parce que tu as moins de 2 de moins. Alors je retire un des bleus, donc ça va être compliqué. Mais j'essaye néanmoins parce que j'y crois. Il a combien de défense? Ils ont combien de défense, oui d'ailleurs, eux, deux? 3. Ah oui, mais c'est injouable en fait.
Ouais, bah, je peux pas faire mieux de toute façon. Donc, allez. Ah bah, 4. Ça marche. J'ai mis un dé de puissance. Je te mets un meatball. Et tu gagnes un dé rouge. Et je gagne un dé rouge. C'est pas l'unité d'élite. Et il me reste 4 dés. Ben. Personne d'autre. C'est que je peux rien faire. Personne d'autre peut attaquer. Dans ta zone ouais. Monstre. Super, viens là. Voilà. Et fin de tour, je bascule dans ma zone de monstre. Voilà, j'ai terminé mon tour. T'as pas fait d'autres attaques, hein? Non, j'avais pas d'autres attaques possibles. Bah, sur des bâtiments, hein. Ah oui, il me restait combien? 4D? 4D. 4D, sauf que c'est le bâtiment que je contrôle quand même dans ton histoire. Bah, tu peux faire un tir sur cela, ou tu peux faire une attaque combinée. On va faire une combinée sur celui-là, tiens. Sur celui-là. Avec ces deux-là. Lesquels? Lui et lui. De toute façon, t'en as que deux qui sont à 3 cases. Voilà. Donc, tu peux lancer combien? Ils ont, logiquement, est-ce qu'il y en a un qui est élite? Lui, il est élite. Ouais. Donc, il est à 3 des max et 2 bleus. Et lui, il est à 1 ou 2 des blancs. Bah, un des blancs. Voilà. Pas de bleu, donc. C'est raté. Voilà. Ça aurait pu marcher. Ça aurait pu marcher. Bon. Hop, c'est bon pour moi. Alors, à toi. C'est à moi. Tu fais quoi? Soit une phase de monstre, soit une phase d'unité. Si je fais une phase de monstre, je peux faire un tir sur Marc et l'achever. Si ça passe. Ah là, C'est chaud. Soit. Je fais. Pas me soigner, moi, je suis mal. Soit... Ah non, mais on a pété tous nos bâtiments régénérants. Oui. Alors que la tour de garde de Léo. Mais je n'ai... Qui c'est qui t'a dit d'aller la péter et que t'as pas foutu tout à l'heure? Alors, j'ai pas profité de son effet qui me permet... De payer moins cher. De payer moins cher, mais... Donc tu fais une phase de monstre ou d'unité? Je vais quand même faire une phase de monstre. Ah. Donc je fais une phase de monstre. Il va essayer de m'achever. Je gagne. Non, elle va venir me voir moi, je pense. 1, 2, c'est tout, hein? J'en vois pas d'autres. Non. 2. J'en gagne 2. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer stomp. Ici. Regarde, je vais avoir un copain. Dans pas longtemps, j'ai un copain qui arrive chez moi. Je vais prendre Pete et je vais essayer de le fracasser là. Un body slam. Un body slam. Bonjour Léo. Ouais, un body slam. Bien, je t'en prie. Donc, je vais dépenser mon dé, tous mes dés rouges. Il préserve mon... Ouais. Non, mais il a raison, regarde, il est même pas en hyper forme. Il s'en fiche. Ah, alors je pourrais... Ah bah non, je peux pas, non, je pourrais pas avoir ma revanche. Lance un dé s'il te plaît bleu de moi quand même. À cause de lui qui a deux cases de toi. Oh mince! T'as envie de disruption? Ah! Ça va peut-être jouer, hein? Tu peux rater. Et lui, non, hein? Non. Non, lui, il faut autre chose. Ça passe. Ça passe. Si là, on considère ça qu'il passe. Est bon. Donc je prends quoi? 4, 2 points? Et 4, 8. Ah non? T'as 9 de Non, j'ai 8. Ah, t'as pas 9? Non, j'ai 8. Il fait pile. Pile 8. Bon. Et je prends combien? Donc, tu fais 9 en fait. 9. 9. Bon, bah, donc de toute façon, ça passait. Et je prends quoi? 3 points? Oui. Ouch. Ça me met à 2. 2, 3. Ouais, c'est ça. Je suis à 2. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Ben, je n'ai plus de dés, donc je ne peux rien faire. Ah oui, alors je gagne quoi? Je gagne... Rien. Deux bâtiments. Deux bâtiments. Ouais. Voilà. Merci. Et les autres? Maintenant, ce sera une phase d'unité pour mon donc prochain. Donc c'est à moi. Ouais, c'est à toi. Moi, je veux finir en beauté. Hein, vas-y, fais-toi plaisir. Je fais une phase de monstre, power-up, je suis à full dice, comme tu dis. Et donc, je vais faire un déplacement, et j'ai pas le choix. Je suis obligé de venir là. Ouais. Bonjour. Tu as combien, ça vient Pete? Tu as 2? Je suis à 2 points de vie, moi. C'est la fin de... Ça pue. Comme dans Ça pue, la fin, c'est la fin. Et donc, derrière, ok. Le truc, c'est que je peux pas embêter... Je peux pas te jeter sur lui, on peut pas. Mais tu peux me jeter sur le bâtiment qui est derrière. Je peux te jeter sur le bâtiment qui est derrière, ça te ferait 3. Et moi après je peux lui donner un petit coup pour le principe. Est-ce que je peux faire mieux? Si tu fais ça, derrière lui il peut m'achever. Bah non. Bah si, parce que je vais passer... Je suis à 5. Il est à 6, il va prendre 3. Je serai à 3 et puis derrière tu balances. Ah, ça peut marcher. Ah, c'est sendu, c'est tendu, c'est parti. Eh oui. Donc je vais te jeter. T'es sur le bâtiment. C'est ce qui est le plus intéressant à faire, je vais te jeter là. Sur ce bâtiment-là? Bah, de toute façon, je peux pas faire autre chose. Non. Il n'y a plus d'autres bâtiments. J'aurais mieux fait de l'achever, en fait. Regardez. Si j'avais achevé Marc... Et toi, t'as tapé Pete. Bah ouais, c'était mieux. Parce que je me prenais pas deux attaques d'affilée. Ouais. C'était mieux. Faut dire qu'il fait mal maintenant qu'il est en live. Mais c'était chaud hein, pour me passer. Ouais, il a 9 en défense. Je pouvais pas relancer, j'avais 9 en défense. T'avais pas beaucoup de dés. Hein. Moi, j'aurais gardé un des blancs pour pouvoir faire un coup de relance, je pense. Mais il avait qu'un des blancs.
Ah oui, donc il avait pas le choix. Il avait un des blancs, il avait pas beaucoup de dés rouges. Compliqué. J'aurais pu battre en retraite, aller me mettre plus loin et vous laisser vous massacrer tous les deux. C'était peut-être mieux. On l'aurait peut-être pas fait, on serait serré la main et on aurait été te chercher. Ouais. Ouais, tu parles. Un gros moment. C'est toi qui m'as mis dans cet état-là. Alors. C'est une erreur. Ouais, bah, je vois pas autre chose. Alors, la question, c'est est-ce que je te jette là ou un peu plus loin ? Est-ce que ça change derrière ? C'est que si je te mets là, on peut te jeter là, on peut te... Alors, ouais, on peut te jeter là encore. On peut même te jeter là. Donc, je vais complètement achever, mais ça sert à rien. Il faut avoir plein de dés rouges pour le jeter jusqu'à là-bas. Ouais, mais... Toi, t'as plein de dés rouges, toi. Le dés rouge n'est pas un souci. Donc, je me prends un truc de moins, j'imagine, là, non ? Il y a pas non, un truc comme ça ? Non, pas le mien. Non ? Toi ? Ah oui. Oui, un des bleus de moins à cause de sa destruction. Un des bleus de moins. Comme ça, je vais te lancer à 1, 2, 3, 4. Donc il faut bien mettre au moins 4. T'es toujours à 8 en défense. Defender X va passer en hyper form. Oui, il a plein de dés rouges. Tu peux en mettre combien au maximum des dés rouges en... Autant que tu veux. Ah oui. Ah non, pardon, je suis en hyper form, donc je lance un des bleus de plus. Je suis à 5. C'était pour rire. Alors, si j'en garde 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il assure un peu, un minima. Mais même avec ça, hein, je peux faire 0. Hein. Oh non, faut pas déconner. Là, ça va, t'es pas. Que je mets un petit dé blanc de plus. C'est un nombre pair. Vive la France. J'aurais dû achever Marc. Parce que ça, là. T'as hésité à pas blesser ma susceptibilité. Ouais. Donc je pense que là, c'est bon. Plein. Alors, tu me projettes à combien ? Bah, je pense que contre lui, c'est bien, comme ça, il n'a pas besoin de... Bouge pas. Donc, comme c'est super damage, je me prends 2, 3 parce que je percute le bâtiment, 4 parce que je retourne, donc je passe en hyperform. Tu es à 2 points de vie. Alors, qu'est-ce que tu fais en hyperform, Léo ? Parce que je sens que ça va plus encore, cette histoire. Alors, qu'est-ce que je fais en hyperform ? Maintenant, j'ai j'ai les mêmes pouvoirs qu'avant. J'ai le cycle d'énergie, donc si je fais une attaque qui lance au moins 2 dés d'action, à la fin, j'ai le droit de faire revenir en tant que monstre un dé dans ma zone de monstre. Okay. Ce qui me permet de refaire, voilà. Au moins... Putain, bon. C'est pas vrai. Je suis manchot. Et surtout, j'ai le pouvoir beat back, c'est-à-dire que lorsque je fais une attaque de blast, normale, donc c'est pas une power attack, la cible que j'ai touchée va pouvoir reculer de 2 cases et donc percuter des choses. Dans n'importe quelle direction en ligne droite. Hein. D'accord. Mais voilà. Donc soit par là, soit par là. Mais pas par là. Si, si. Si. Ah, d'accord. N'importe quelle direction. Orthogonale. Donc c'est à toi. Putain. Tu fais pas de. Tu bouges pas de là où t'es. Est-ce que je bouge de là où je suis ? Bah, tu vas... Est-ce que t'as intérêt à achever Léo ou moi ? Mais Léo, il va faire. Mais moi, je peux pas vraiment faire de stepping. Moi, je vais faire une unité. Ouais, mais regarde, Léo, il va faire une phase d'unité, donc j'ai tout intérêt à t'achever toi. La logique voudrait que je te laisse pas mais faire moi, quelque chose. Mais moi, je peux pas faire de stepping. Mais non, mais pas de stepping, tu peux refaire une attaque. Sauf non. Que globalement, moi, je peux j'ai même. Tu fais une attaque de puissance, j'ai plus le droit. Oui, mais là, regarde, très aidé. Ouais. Faire une attaque de monstre et t'achever. Ah, je peux faire une attaque de monstre ? Non, pas maintenant, mais si je te achève pas maintenant, là, oui, ça revient alors que Léo va me faire de la unité. C'est sûr que tu vas m'achever, mais tu vois, du coup, moi, il me reste 8 dés, certes, mais je peux me déplacer de 8 cases, mais toi, derrière, tu vas venir me chercher. Donc, bah ouais, donc je fais ça. Attends, phase de power-up. Est-ce que je fais un step-in ? Ah oui, est-ce que tu fais un step-in ? Bon, en tout cas, moi, je vais faire du power-up. Si je fais un step-in, je vais où ? J'ai quoi ? Attends, je compte mes petits trucs. 1, 2, 3... Ouais, parce que je suis obligé de partir par là, en plus. Donc, si je fais un step-in, c'est 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, et si je fais ça, je peux même plus bouger. Non, bah tu vas essayer de m'achever, et puis basta, hein, c'est comme ça. De toute façon, on arrive forcément à une situation. Moi, j'ai 2 points de vie, toi, t'as combien ? 2 points de vie. Et moi, j'ai 1. Voilà. Donc, power up. Ultra serré. Quoi. Power up, je prends 4, et vous perdez tous 2. 2 ? Bah, j'ai 2 points de négatif. Ah, d'ailleurs, vous avez perdu un au coup d'avant, j'ai fait une phase de monstre, n'oubliez pas. Je viens de retirer. Ok, bah c'est bon, j'ai plus de power. Donc, ayant dit ce... un là, et un là. J'en ai 4. 4, et c'est ça, j'ai pris 4. Ouais. Okay. Donc, je vais aller me coller à côté de toi. Est-ce que t'as pas plutôt intérêt à faire une attaque normale, je sais pas, hein. Bah non. Comme ça, tu restes contre lui, et puis... Bah non, parce qu'il faut que je te fasse 2 dégâts. Et moi, je suis pas pourquoi hyper... 2
J'ai un point de vie. Ah, t'as que un point de vie. Ah, oui, tu... Est-ce que j'ai intérêt à rester contre Léo? Ouais, t'as raison. Parce que derrière, lui, il est obligé de faire une phase d'unité. Toi, tu vas garder suffisamment pour l'envoyer pour là, le derrière. Et puis, il faut que tu gardes assez de dés rouges. Ça va être toute la subtilité de... Ouais, parce qu'il faut que je te passe quand même toi. Ouais. Il faut que je te passe toi... C'est ça. Alors... Donc, à ce moment-là... Ouais, t'as raison. Et puisqu'il n'y a aucun moyen que je peux te jeter sur Léo, donc ça, on oublie. Non, donc je vais faire une attaque... Je vais faire une attaque... Normale. Corps à corps. La seule chose qu'il peut faire, c'est... Bon, ça va être du brawl. Ça va être du brawl. Est-ce que tu peux lancer plus de dés? Ouais. Parce que brawl, j'ai 5... moins 1 à cause de Léo. Mmh. Léo est trop près. Il faut que je mette au moins 1 comme ça. Sauf si tu te déplaces, tu viens ici. Là, je suis pas trop près. C'est à deux cases. Ouais, non, mais même, même là, hein, il peut, il a plus ton effet. Si tu te déplaces un tout petit peu, t'as plus mon effet. Ouais, mais sauf que mais moi, après, j'ai besoin... Je voudrais bouger après, en fait, après cette attaque. Après cette attaque, je compte bouger. D'accord. Tu peux faire une phase de full advance après une attaque? Non. Ah. Tu peux faire que du stepping après une attaque. Bon, alors, autant que je me mette contre toi. Voilà. Ah. Je crois que j'ai peut-être... non, là, je suis encore à portée. Voilà. Mm. Donc, je rajoute un... Comme ça. Et on a dit qu'il fallait garder... ce sera quoi le step-in? Il est pas évident. Si tu fais du step-in, tu peux plus... Parce que là, le problème, c'est que tu... Non, c'est idiot de te déplacer. Pourquoi? Parce que derrière, il faudra que tu reviennes contre lui. Il a deux points de vie, lui. Donc... Mais il pourra voler. Je pourrais me mettre là. Je volerais par-dessus lui et je le lance ouais, là, par éventuellement, exemple. C'est vrai. Donc c'est pas très dérangeant. Mm. Donc là, il faut passer assez de dés tout en gardant assez pour Léo après. Donc, et en blanc, j'ai le droit de mettre quoi? Maximum 8. Et tu peux rajouter... Et du rouge. Super serré, cette partie. Et du rouge... Et ah oui, t'as 9 en... Ouais, mais bon. T'as 9... Et il faut que tu le passes, hein. Faut que je le passe... Attends, déjà là, en moyenne, t'es au-dessus. Tu vois? Attends, Bon, allez, moi, je prends pas de risque. Y'en a marre, des fois, je fais des jets pourris. Y'en a marre, je fais pas de risque. Là, c'est impossible qu'il m'achève pas. Voilà, c'est prêt. Déjà là, il y a 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est pas si monstrueux que ça. 12. Au revoir, Gorgadra. Gorgadra est détruit. Il faut partir terminé. Maintenant. Il ne peut y avoir qu'un Destroyer of the World. Donc il n'y a plus de Gorgadra. Et qu'est-ce qui se passe pour ces unités? On retire toutes les unités du joueur qui a perdu son dernier monstre. Tac. Nouvelle. Tac, tac. Bon. Donc ça sert à quoi ton avion? Au fait, j'avais un des rouges en plus. Je contrôlais un bâtiment une fois dans ma vie quand même. C'est vrai. C'est vrai. Ne l'oublions pas. L'une fois de la partie. Est-ce que tu veux faire du stepping? Non, j'ai gardé mon dernier dé, j'en ai quelque peu besoin, Léo, pour un dernier plan. D'accord. Donc, tu m'as détruit une unité, donc tu gagnes un dé de pouvoir, quand même. Ah oui, c'est vrai. Et c'est à Léo. C'est à moi. Alors, il lui en reste un. Il te reste un point? Tu peux pas avec ou deux. Ah, il me reste un blanc seulement. Mais il te reste combien de points de vie? Deux points de vie. Ah, c'est deux. Est-ce que je peux pas faire deux attaques combinées avec mes unités? Ça va être difficile. Attends. Je t'avouerai que ça m'arrangerait pas. Lui peut y arriver. Lui aussi. Je peux faire invoquer des avions. J'ai deux avions que je peux faire invoquer. Voilà. Je pense que ma seule chance, c'est bien celle-là, non? Ah bah, là, je pense qu'il peut défoncer derrière. Je pense que derrière, il y aura un problème. Donc, ce qu'il me reste, il me reste deux points de vie. Hein. Oui. Donc, je vais tenter deux actions combinées. Alors, est-ce que mon tank a une chance d'y arriver? Il se déplace de combien? Il est trop loin, ton tank. Il bouge pas assez. Il se déplace de 4. 1, 2, 3, 4. C'est trop loin. Il n'est pas à portée. Trop loin. Ah, il a une portée de 3. Donc, ça ne marchera pas. Il n'y a qu'avec mes petits avions. Hein. Ouais. Mes avions peuvent tous y arriver, je pense. Bien. Emmène tes avions. Mais j'en ai combien? Avions plus tank. J'ai 1, 2, 3, 4 avions. Le sort du monde est entre les mains. J'en ai 5. Ah, ça va pas être assez. Ça va être chaud. Ça va être chaud. On va essayer quand même. Faut le tenter. Il faut tenter. Bah, de toute façon, t'as pas le choix. T'as pas d'autre choix possible. Donc, je vais faire popper deux avions. Voilà. Et voilà. Le retour des avions. Et maintenant, je vais tous les déplacer. Alors, lui, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, il a fait deux diagonales dans ton 6, mouvement. 6, 7. C'est bon, je suis à portée. Ensuite, je vais faire 1, 2, 3, 4. Je contrôle un bâtiment. 1, 2, 3, 4.
Je suis en plus, lui il bénéficiera d'un dé bleu en plus. Ensuite lui il faut qu'il fasse 1, 2, 3. C'est vrai qu'il va me retirer un point lui. Il y en a pas qui retire des dés d'attaque là ? C'est lui. Il retire quoi ? Un bleu. Je vais le mettre là. Ah. Lui il peut venir se mettre à portée et il fait du blast lui. Qui ça lui ? Ouais. Bon. Il se déplace de 5. 1, 2, 3, 4. Bon allez, on va faire ça, hein. 1, 2, 3, 4. Donc lui il pourra pas, hein. Non, non. Il est trop loin de ton tank aussi. Ah quoi, attends, il passe par-dessus. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 2, 3. Ouais, non, t'as une case. Il me manque une case, hein. Ouais. Bon, lui il n'ira pas. Lui, par sans, contre... Sans vouloir te vexer. Hein. Lui, il peut y aller sans problème. 3, 4, 7. Ça sent les avions. Voilà, c'est le maximum que je puisse faire, hein, je pense. Alors, si tu sacrifies un dé blanc, t'aurais pu... Deux dés blancs, t'aurais pu déployer un mec supplémentaire ici et avoir une unité comme ça en plus. Mais c'est deux dés blancs de moins Pour les l'attaque. À voir. Ça te rapporte combien de dés bleus et... En blast, il rapporte rien. Rien, donc c'est pas rentable. Non. Non, ils ont... Sauf l'unité des listes, elle rapporte un dé bleu en plus. Mais c'est deux dés blancs. Mais tu perds deux dés blancs pour un dé bleu ? Ouais, ça vaut pas le coup. Bien, donc là maintenant, il faut. Alors, j'ai une relance. Je peux éventuellement me garder une relance. Il est encore là son bâtiment, c'est pas possible. Ah ! Attention, j'ai plus de dés que ça parce que ça me coûte moins, mais de couper. Donc il y a une unité de plus. Alors, est-ce que du coup, ça vaut pas le coup de. Toutes les fois où je l'ai pas fait, est-ce que ça vaut pas le coup Le truc, c'est que tu dépenses deux dés blancs pour gagner un dé bleu. Si tu dépenses une unité de même trois dés blancs, parce que là, t'aurais dû pousser, t'aurais dû le faire avant. Non, c'est pas rentable. Ça vaut pas le coup. Ça ne vaut pas. Ok. Bon, mais par contre, j'ai quand même un dé de plus. Ok. Parce que je vais garder. Non. Non. Je vais garder un dé pour avoir une relance. Bien sûr. Et puis ensuite, je vais essayer de lancer le maximum. Comment de tu vas séparer ça ? Comment je vais séparer ? Je pense que je vais peut-être faire ces deux-là. Deux avions ensemble. Ou alors, ouais. Que tu fasses un 4 et 4 sur les dés blancs. Alors, on va voir. J'ai mon Strike Fighter, c'est ça. Il peut lancer deux dés blancs et deux dés bleus. Et il va rajouter des dés bleus à ces deux-là si j'ai besoin. C'est ça. Ils auront tous deux dés bleus s'ils sont dans la même attaque. Ça pique, ça. Et ceux-là, ils auront pas grand-chose. Ils auront... Non, ceux-là, ils auront pas trop de bonus. Non, ils auront deux dés... Un, deux... Deux blancs, et donc ça fera trois blancs et un bleu. T'as même pas de chance de... Donc je suis obligé de les combiner avec quelque chose, non ? Ah, ici, ils servent pas tout seul, ils feront pas ce qu'il faut, en tout cas. Il n'y aura pas assez parce qu'il faut quand même passer 8 de défense. Oui. Enfin, moins 1. Non moins 1 grâce à l'hélicoptère, il faut faire 7. Faire 7. Ces deux-là. 7 avec 3D. Si je combine ces deux-là, ces trois-là. Ah. Donc là, ces deux-là, déjà, ils font. Alors ces deux-là, l'avion, il a. Il y en a. Ils peuvent tous les deux mettre 4 dés blancs. Tous les deux mettre 2 dés blancs. Donc t'as 4 dés blancs. 4 dés blancs. 2 dés bleus. 1, 2 et 4 dés bleus. Voilà, 4 dés blancs, 4 dés bleus. 4 dés blancs, 4 dés bleus. En moyenne, t'es un peu en dessous, mais t'as ta relance. Ça peut passer. Relance. Voilà. Donc, ça, et là, donc t'aurais j'aurais 2 dés blancs, 2 dés blancs 3, 4 dés blancs en fait. 4 dés blancs et 1, 2, 2 dés bleus. Et 2 dés bleus. 4 c'est blancs, chaud. 2 bleus et 4 blancs, 4 bleus. C'est chaud, hein. Mais ça peut. Enfin, de toute façon, t'as pas le choix. Donc c'est vite vu. Allez, je tente. Tout le grand. Il y a que comme ça hein, que je peux dire. Bon, alors laquelle il vaut mieux commencer en premier peut-être celle-là. Ouais, donc 4, 4. 4 dés blancs, 4 bleus. Alors, c'est bien ça. 1, 2, 3, 4 dés. C'est ça. 1, 2, 3, 4 dés. On se voit. Et 4 dés bleus. Il faut que cette attaque échoue. Si elle échoue... Oui, je sais, mais il faut que tu fasses dépenser ton dé de relance. Donc, je suis assez... Ah, alors que sinon, j'ai droit à une relance. Ah là, c'est vraiment le hasard qui finit le jeu. Pour le coup. C'est raté. C'est raté. Il faut la relance. Je suis obligé de la relance, Léo. Non, je dépense. Là, si j'ai raté, c'est fini. C'est fini. Enfin, sauf si je rate mon attaque à ta chance. Tu peux encore faire une relance, hein. Ah non, tu peux le faire qu'une fois, c'est vrai. C'est raté. C'est pas bon. C'est raté. Attends, 6, ouais, 6. C'est 6 de 1. C'est pas. Et je vais tenter la dernière. Vas-y. Donc, la dernière, je lance 4 dés. Blanc, 2 bleus. Et c'est 2 dés bleus, c'est ça ? Oui. Ah, c'est vraiment. Ça se trouve, si je la réussis, celle-là. Ça va être la rage parce qu'il y a. C'est raté. C'est raté. C'est raté. Tu groches. Tu tiens bon.
Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est assurer pour lui faire une de blessure et espérer qu'il rate son attaque. Mais bon. Là, je pense pas qu'il va rater parce qu'il va, il va spawner. Hop. Donc déjà, oui, moi je suis donc, plus. 1, 2, 3, 4, 5. Tu lui fais perdre un des bleus de rouge qu'il deux. N'a pas. Tu lui fais perdre deux des rouges qu'il n'a pas. Pas. Donc j'active mon ami qui va voler un, pour se mettre ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vas le jeter ici. Et je vais te projeter sur ce bâtiment magnifique. Et donc là, tu jettes tout. Et je jette, alors j'ai le droit de mettre de 1 4. À 7. Alors j'ai que celui-là, évidemment. Tous les rouges 4, et 4 bleus. 4 bleus. Non, 3 bleus. Ah oui, il a un. Et tous les rouges. Et tous les rouges. Il faut que je fasse 8. Exactement. Bon, allez. Oh. Allez, tout gros, tu peux le faire. Et c'est bon. Large. Ça passe. Et donc, je suis projeté là. Doom. Tout gros, vainqueur. Mais oui. Félicitations, bon. Ouais, bravo. Mais je remercie mes adversaires, sinon ça aurait été compliqué. Voilà. Eh ben, quelle partie, et il te reste combien? Deux points de vie. Donc ça a été très très serré, vous avez vu. On a perdu tous les deux dans le même tour. Ouais, on a perdu tous les deux dans le même tour, donc c'est bien aussi. C'est... Donc qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah, je préfère le mode, en fait... Battle Royale. Battle Royale, en fait. C'est vrai. Parce que même si tu fais des erreurs, et j'en ai fait pas mal, c'est pas grave parce que les autres veulent pas non plus trop t'affaiblir pour pas s'en reprendre derrière, donc non, j'aime bien la dynamique. Il y a un petit côté diplomatie. Voilà, il y a un petit côté diplomatie sympathique. Eh oui. Il y a une dimension bourrage de crâne. Qui marche bien. Qui est rigolo. C'est rigolo. Non, très très sympa. Et j'aime beaucoup cette faction. Autant j'avais pas été convaincu par l'autre quand je l'avais joué. Bah, j'étais pas assez bourrin avec elle. Autant j'aime beaucoup. Tous les monstres sont pénibles. Il joue différemment. C'est vraiment un style totalement différent. Par contre, il tire peu. Les unités tirent peu, mais c'est compliqué. Je trouve qu'il y a, plus de bagou, on va dire, de négociation et un peu moins de stratégie que dans la version 2 joueurs, ce qui est tout aussi sympa. Et puis on garde ce que j'avais déjà dit, ce côté hyper immersif du jeu, qui est une de ses grosses forces. Clairement, champ de bataille est plus très sympa, on s'est bien amusé. Et ben voilà, j'espère que cette partie vous a plu. En tout cas, nous, on s'est bien marré. Vous avez vu le Battle Royale à 3 joueurs sur une nouvelle map 3 joueurs. Nous avons un vainqueur qui est donc tout groche, mais la bataille était serrée jusqu'au bout. Merci. Et alors, le Kickstarter se termine très bientôt, donc si ça vous intéresse, profitez-en. Il se termine le 19 novembre à 23h, heure française. Voilà. Si ça vous a plu, allez-y. À très bientôt. Salut. Bye.